Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur pour Vérité. En ce 25 mai 2023, vous comprendrez aisément que c'est la voix du militant aujourd'hui et nous n'allons pas beaucoup tergiverser ou parler. On va déjà débuter le direct avec quelques annonces importantes à retenir. Ensuite, il y aura les messages vocaux de quelques personnes. Et on va terminer avec la parole qui sera donnée à quelques personnes qui voudraient bien intervenir. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent. Et dès l'instant même, on commence déjà avec les messages vocaux enregistrés qui annoncent aussi des informations très importantes. Conformément au décret numéro 2022-753 du 28 septembre 2022 relatif à la mise en application de l'obligation d'enrôlement à la couverture maladie universelle CEMU, la preuve de l'enrôlement sera exigée à tous les élèves de plus de 16 ans à compter de la rentrée scolaire 2023-2024. Chers parents, vous êtes priés de prendre toutes les dispositions afin de faire enrôler vos enfants à la CEMU. Cette opération est mise en œuvre avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation par l'intermédiaire des directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA. Pour l'enrôlement, l'une des pièces suivantes est à fournir. La carte scolaire, la carte nationale d'identité ou l'attestation d'identité, l'extrait d'acte de naissance, la preuve de l'enrôlement de l'assuré payeur, père ou mère, est à fournir si elle est disponible. Pour rappel, l'enrôlement à la CEMU est gratuit. Il faut pas aimer là. La yo gouvernement là, il y a là, depuis hier, quand il a fumé, de couverture maladie universelle, semi. Au mieux, il y a la sous là, déjà pour y avoir bébé. Alors, c'est Joe, la cadeau, où il y a qu'un courant cadeau, tel, où il y a la semi là, il y a. C'est bien là. Après, c'est Joe, il y a un peu, il y a un peu, ça va, semi au catina. La yo, c'est là, nous, la colo ministère, nous, on fera peu d'infos, nous, on peut y avoir fumé, le bébé, drena. Mais ça, c'est bien, nous, pile, les pièces, une vine, ou rogne, la cadeau, 4 ans, voilà ma, ou 4 ans, tima, voilà ma, ou attestation d'identité. Voilà ma, ou c'est ça, voilà ma, ou c'est fort. Bien, car c'est mieux. Voilà ma pour respirer. Ni seigneur, c'est mieux. Mais ça aura un cadeau. Voilà ma sarai. Ambaro le gamin au assalamu alaikum. Ni kibaru ya mimi bora kwa duwa kamba yoro la kalasi jamani duma. Asabati la ka sante meni kalo konondo ko semi kuverti maladi universelle ko kala wajibi ye ekol dembe ka fembe sisa ka sainta an worobo kadaka o ani mbe demba demba be fe be ga ki chesri ka sika tun tosi be semi la au kon ka lon ko ni bara blan ne sina jenkulu bolo minta bara e kala ale ni aka bara ka non ko wa pantan nan be fe drena ka sika tun tosi bo mna mu dwani mbe demba demba be fe mur le telephone carte scolaire carte nationale d'identité walma attestation d'identité wolo sebe demba walma demba kanka ira ko ale pran trois semaines be semi la amban enfo aya lon trois semaines semi la banzani warte di amba do jogan mena o assalamu alaikum ne ki baro ya min bola ko do va pamba yoro la kala se jamana duma asabati la ka sante meni kalo konondo ko semi kuverti maladi universelle ko kala wajibi ye ekol dembe ka fembe sisa ka sainta an worobo kadaka o ani mbe demba demba be fe be ga ki chesri ka sika tun tosi be semi la au kono ka lon ko ni bara blan ne sina jenkulu bolo minta bara e kala ale ni aka bara ka non ko do pantan nan be fe drena ka sika tun tosi bo namu do ani mbe demba demba be fe mur le telephone carte scolaire, carte nationale d'identité, walma attestation d'identité, wolo sebe, demba walma demba kankaira ko ale pran trois semaines be semi la, amban enfo, aya lon trois semaines semi la, banzani warte di. Septembre pour un colonne, gouvernement wa Japon salo la toi a be semi couverture mari universelle et les sa ba ba sa yi. Bon wa balene, shi pou so ba wen, ba gbe ete kenkemo imie pon la toye. Sa en ba, mou nenze le le shi pou so a semu la, anan kwe fo, shi pou pa yi kwe kwe ba wen, ba hou ministère de l'éducation nationale e wen fin, da ba wen, ba hou sa kwe ke ne, a be drena imie shi fin. Mou se jiku mou le mou henke, la toke yi mebe kebe nou, mou ne e kebe. Bokate yi bonon shikuzi, bokate nasyonal identite, e se manen bonon atestasyon identite, bo jijeman, bonen le ou hen le, base pon kat semu, e se manen bonon resepisebe. Sa en ba, mousse yi kou moulele mou hen ke semu, ele yeye.
Yani mumu awawe isamke assurance couverture maladie universelle semi ya jare ngaferi afresh konu yi anglong grasu kemba ablani kwen awu inande wekenu isonti ambonga bawo amusuru bawo amusango mina afu ablani sien kwa kwa twa mujaso na ngopre be duma semi yi ministère de l'éducation nationale ni bu manga me wa paswa minu fre be drenai bebe ukawa be diso jumare nyo ye fuwa nga fa na kaifa krepa be duma yale sukuru ba katante anze souvent carte nationale d'identité dans une attestation d'identité à ou bien fois souvent le grafa hier si un nien mais c'est mieux et carte en zé reçu le grafa crevé tout ma vie gassi cassé n'a qu'un quoi sur hier qu'avait tout ma clé de c'est mieux mais d'assi canon a bien à l'épreuve soit moyen à ne pas ouer trop à ma que vous m'en en noir maintenant à niquer les crépas à l'ingénieur ma couverture maladie universelle c'est mieux. Ta nya na ngri keri o ben nya na bogo na junye o ngri keri em en kamudiga nya no nya na ngri ma semi mu keri an le du pen ise nya na mi fo ko e mena la yoro gouvernement la le yela dobi ye kwandi la fuma le nto couverture maladie universelle semi o mi yela so la ta ko ya o gebe o se jo la kwado u ya ke koran ka do ta la yela semi la yel ise nya na abisi je en a ye pile abisa me sa semi katina la yoro besin la en la kolo ministère ne fura ko de info ne pe nya ko de va fuma le be yire drena men sa ora sinya ne pele ni pese mi binu oro nya la kwado katande wala ma o katande o tima wala ma ou attestation d'identité voilà ma ou c'est ça voilà ma ou c'est fawambi car c'est mieux voilà ma ou récipice ni seigneur c'est mieux mais ça aura un cadeau voilà ma sarai Manchevi, à Ose, à Bloui, ou à la couverture maladie universelle à Dubois, puis à la Sémue, d'être bas au son, nous voulons dire à Eti, à Ménia Paye, ou n'a un bon déclin, mais oui, ou blasé en pomeo, ou y est une clé, ou y est clé, nous sommes des Egia, déclin, il y a au matin, à Okiri, nous meilleurs, des Sémue, et de tout, et n'y a jaïtaka, ou que ministère, ou à la clé à Dubois, ou n'est à Doué, ou pour être tout gay, n'y a pas d'eau pour traîna. C'est bien, ou y a bleu, ou y a du sang, ou y a une clé à moi, et mené au quatre scolaires, pour m'aider. Ou ka identité pour me dire que né ou attestation d'identité pour naissance ni mon fausse ouais et ben juste en clique mon journée en juste en mon bodo boy carte tout en quoi ou ben reçu ni quoi ben il me blé boy ma juste en clique manche ni clique à ce mieux energyo est ce qu'il blé à quoi na au seul. Et donc mesdames et messieurs, vous voici expliqué en différentes langues nationales et aussi en français ce que chacun et surtout chaque parent devrait faire pour pouvoir continuer à bénéficier de la carte assurance maladie universelle, mais surtout assurer ses enfants et dans des conditions les meilleures. Cela nous fait passer aux différents messages préenregistrés, comme je l'ai dit. Ceux qui veulent prendre la parole, n'appelez pas pour l'instant, attendez d'abord. On va jouer les messages préenregistrés et lorsqu'on aura fini, vous pourrez appeler. On commence déjà avec Sundiata, le concurrent, qui a de très belles choses à nous dire comme d'habitude. Bonsoir à tous. Il me plaît de prendre la parole ce jour pour parler d'un seul sujet d'actualité. Il s'agit du sujet Gbagbo, le fait qu'il n'est plus électeur et puis la menace récente d'un fasciste. Alors, ces derniers jours, lorsque la CEI a remis la liste électorale provisoire aux partis politiques, l'information est tombée comme quoi Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale. Si cette information peut être une surprise pour beaucoup, pour nous autres qui observons la situation attentivement, ce n'est pas du tout une surprise. Nous ne sommes pas étonnés, parce que depuis 2020, l'homme a été déchu de ses droits civils.
et politique, on l'a bien dit. Il ne peut plus être candidat, il ne peut plus être non plus électeur parce qu'il a été condamné par la justice ivoirienne. Ceci est assez clair. Maintenant, que le PPACI ou le GOR usent des stratagèmes pour manipuler l'opinion publique nationale et internationale, ça c'est leur problème. C'est leur problème. Nous n'en avons rien à faire. Donc aujourd'hui, nous voyons par-ci, par-là des menaces. Nous voyons des justifications sans fondement de pseudo-avocates du nom de Touré Habiba sur les chaînes de télé. Nous voyons des déclarations incendiaires de la part des quatre PPACI, à commencer par Hubert Houlaye. Nous voyons malheureusement des déclarations violentes de la part des fascistes. Pourtant, ce que nous savons, les syndicats sont censés s'éloigner définitivement des chapelles politiques. Depuis plusieurs mois, nous avons annoncé sur cette plateforme ici que Laurent Gbagbo était en train de manipuler la faiscie pour créer le désordre et la chienlit en Côte d'Ivoire. Les autorités, nous savons qu'elles sont informées, mais certains, beaucoup de nos populations, ne le savent pas. Aujourd'hui, lorsque un fasciste déclare publiquement que la fascie a été mise en mission pour faire gagner le PPACI de Laurent Gbagbo, nous disons tout simplement que l'information est assez claire pour tout le monde. Certains peuvent dire que les masques sont tombés, mais nous autres, nous ne pouvons pas le dire parce que depuis 1990, nous savons si Laurent Gbagbo qui instrumentalise la FECI, si Laurent Gbagbo qui manipule la FECI, si Laurent Gbagbo qui encourage la FECI à tuer, à massacrer, à assassiner les innocents, c'est lui qui l'a fait. Depuis 1990 jusqu'à 2011, c'est Laurent Gbagbo qui a toujours encouragé la FECI à tuer malheureusement des étudiants sur les résidences universitaires. Et ceux qui faisaient ce sale boulot pour lui, il y avait Charles Blé Goudé et Guillaume Zéro. Ça, nous le savons. Ce n'est pas l'objet d'un débat. C'est quelque chose qui est connu de tous. Lors de l'accession au pouvoir d'État du président Alassane Ouattara, beaucoup ont souhaité que la FECI soit dissoute. Malheureusement, la FECI n'a pas été dissoute. La FECI n'ayant pas été dissoute, elle a repris confiance des années plus tard. Et ces derniers temps, nous voyons les faits et actes posés par la FECI sont très dangereux. Est-ce qu'il faut laisser pourrir la situation? Est-ce qu'il faut laisser des politicards, des politiciens de mauvaises intentions, comme Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, instrumentaliser la FECI à nouveau pour tuer des innocents, pour incendier les pays, pour créer le désordre? Est-ce qu'il faut encore permettre cette énergie dans notre pays? Est-ce qu'il le faut? Nous sommes assez catégoriques sur la question. Pour nous autres, il n'y a pas matière à débat. Il faut dissoudre la FECI définitivement en Côte d'Ivoire. Il le faut. Une organisation se disant un syndicat ne peut pas être plus puissante que l'État, l'armée et l'ensemble des Ivoiriens. Non. Nous subissons malheureusement les dégâts, les effets pervers, les violences de la FECI depuis
un bon. La fille s'y viole des filles sur les campus universitaires. La fille s'y assassine des innocents. La fille s'y découpe à la machette des innocents. La fille s'y séquestre des enseignants. Nous l'avons vu. Même sous ce pouvoir, la FESI a séquestré le ministre Ibrahim Cissé Mbakongo à l'université. Il a dit fuir pour sortir. La FESI a chassé récemment des journalistes qui étaient allés pour une conférence à l'université de Cocody. La FESI toujours occupe les rues de l'université pour marcher, pour entamer des chants de guerre comme si nous étions dans une rébellion ou bien une milice. La FESI le fait. La FESI se cagoule, court dans tous les sens, dans les universités de Cocody et Nangia-Brogua, puis après ressort pour prendre certaines rues de Cocody où il passe devant la maison du PDC RDA pour venir vers Saint-Jean. Il passe vers la RTI et il retourne pour passer parfois vers l'école de gendarmerie ou bien parfois vers l'INSAC et puis passer devant le CHU de Cocody pour entrer à l'université de Cocody. Ça, ce sont des faits réels qui sont connus. On ne peut pas accepter. La FESI est une milice. La FESI est un gang de criminels. La FESI est un gang de bandits. La FESI est un gang de voyous. La FESI n'est pas du tout un syndicat. Et nous pensons qu'à un moment donné, il faut un sursaut d'orgueil. Il faut avoir le courage de mettre fin aux dérives de la FESI. Il faut avoir le courage de mettre fin au désordre que nous voyons. Le désordre que nous voyons, il en est de trop. Nos enfants qui sont dans les universités ne peuvent pas continuer à subir, ne peuvent pas continuer à être séquestrés, ne peuvent pas être toujours violentés par des fessis dans l'impunité totale. Donc, il faut que cette question de FESI soit tirée au clair. Le gouvernement ivoirien a cette responsabilité de trouver une solution définitive au mal du système universitaire qui est la FESI. Pour revenir sur le cas Gbagbo, nous sommes assez clairs pour dire que Laurent Gbagbo, électeur, ce ne sera plus possible. Laurent Gbagbo, candidat à une quelconque élection en Côte d'Ivoire, ce ne sera plus possible. Laurent Gbagbo, c'est du passé. Laurent Gbagbo, c'est de la préhistoire. Laurent Gbagbo, c'est de la poubelle. Laurent Gbagbo, c'est un criminel. Laurent Gbagbo, c'est un assassin. Laurent Gbagbo, c'est un boucher. Laurent Gbagbo, c'est le Idi Amin Dada d'Abidjan. Donc, nous sommes assez clairs sur la question. Il n'est plus question que la scène politique ivoirienne soit polluée par le poison Laurent Gbagbo. Il faut que nous soyons suffisamment clairs là-dessus. Laurent Gbagbo a détruit l'école ivoirienne. Laurent Gbagbo a tué des milliers d'Ivoiriens. Laurent Gbagbo a détruit des avenirs. Laurent Gbagbo a compromis l'avenir de la jeunesse ivoirienne. Laurent Gbagbo, de tout ce que nous savons dans son existence, il n'a fait que nuire, tuer, détruire des avenirs. Fort de tout ce qui précède, nous sommes clairs sur cette position. Elle est sans appel. Nous sommes assez intransigeants pour dire que Laurent Gbagbo ne peut plus être électeur en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo ne peut plus être candidat à une quelconque élection en Côte d'Ivoire. Maintenant, s'il n'est pas d'accord, qu'il fasse ce qu'il veut et il verra de quoi nous sommes capables dans ce pays. Merci beaucoup. Excellente émission à tout le monde. Nous disons effectivement merci à Sundiata le Conquérant pour cette belle analyse qu'il vient de faire. Et surtout, je vais essayer de poursuivre son analyse
à travers un post du roi du printemps qui a été posté il y a 17 heures maintenant, où à travers ce post, il explique la supercherie du PPACI pour essayer de berner le peuple, mais alors qu'en réalité, c'est eux-mêmes qui le bernaient. Qui est véritablement le président du PPACI? Depuis la création de ce parti, beaucoup d'Ivoiriens se posent la question de savoir qui est véritablement le président de cette formation politique créée en 2021. Vu la condamnation à 20 ans d'emprisonnement de Laurent Gbagbo par la justice ivoirienne. Ce qui, de facto, ne donne plus droit à celui-ci d'être le président d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Alors, conscient de ce fait, les cadres du PPACI ont donc procédé à la désignation de M. Hubert Houlaye comme président du PPACI en attendant que la question judiciaire dont Laurent Gbagbo souffre connaisse un aboutissement. En vérité, faut-il le dire, il n'y a point de doute. Depuis sa création le 17 octobre 2021, seul M. Houlaye Hubert est président du PPACI et non Laurent Gbagbo comme il voudrait le faire croire. Les cadres du PPACI, connaissant l'attachement et l'amour que les militants du PPACI ont pour Laurent Gbagbo, ont préféré cacher la réalité à leurs propres militants en adoptant une stratégie de manipulation, de propagande, de flagornerie et surtout de démagogie pour maintenir la flamme militante des Gbagbo ou rien, sans être capable de dire à leurs militants que Laurent Gbagbo n'est ni le président du PPACI, ne peut être en l'état actuel président d'une formation politique. Les cadres du PPACI, tous confondus, ont donc fait du faux et de l'arnaque vis-à-vis de leurs militants, ce que j'appellerais ici l'arnaque au sentiment. Les soi-disant cadres du PPACI étaient très bien conscients qu'en disant que Hubert Houlaye était le président du PPACI à sa création, les Gor n'auraient jamais accepté Houlaye Hubert à la tête du PPACI. Alors retenez ceci, Laurent Gbagbo ne peut pas se prévaloir du droit de créer un parti politique tant que sa situation judiciaire ne sera pas définitivement réglée et qu'il n'aura pas obtenu l'amnistie qu'il réclame avec tant de hargne au président Alassane Ouattara. À beau mentir, celui qui vient de loin, la réalité finit par vous rattraper. Et c'est en cela que, après le Conseil des ministres d'hier, 24 mai 2021, on a pu entendre ici brièvement le ministre de la Communication, aussi porte-parole du gouvernement, vous dire ceci et nous écoutons cela ensemble. Monsieur le ministre, j'ai appris Koulibaly toujours, je reviens sur la même question, la question de Laurent Gbagbo. Monsieur le ministre, le gouvernement dont vous êtes le porte-parole principal n'aime pas du tout se prononcer sur les décisions de justice, encore moins les commenter. Mais le cas de Laurent Gbagbo, éjecté la liste électorale 2022, donc la réintégration sera pas possible avant 2025, sauf l'unanimité du chef de l'État, mérite des éclaircissements. Parce que pour le citoyen lambda, il y a une sorte de dichotomie. Pourquoi ? Quelqu'un perd ses droits civiques après une condamnation. Comment se fait-il qu'il est autorisé ou du moins se retrouve à être le président d'un parti politique? Et en même temps, on empêche cette personne à accomplir un devoir civique qui est le vôtre. Comme moi, beaucoup d'Ivoiriens veulent comprendre où c'est le ministère de l'Intérieur qui n'a pas correctement fait son travail ou qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai pas vu les actes créant donc le parti de M. Laurent Gbagbo et je n'ai pas vu une décision émanant d'un congrès le désignant comme président d'un quelconque parti. Vous comprenez donc en l'état des informations qui sont en ma possession, je ne puisse entériner ce que vous dites. Je note qu'on l'appelle président, peut-être parce qu'il a été président, mais pour ce qui est de son parti, en tout cas, en l'état actuel des informations qui sont
en ma possession, je ne peux pas aller dans l'affirmatif de ce que vous dites. Et donc, je crois qu'il est assez clair. Le porte-parole du gouvernement est en train de dire que eux, en leur connaissance, Laurent Gbagbo n'est le président d'aucun parti en Côte d'Ivoire parce que le ministère de l'Intérieur ne leur a jamais fait cas qu'il y a un parti qui a été créé avec le nom de Laurent Gbagbo. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Deuxième chose, ce qui est encore plus intéressant qu'il n'a pas dit, c'est qu'aujourd'hui, en nous basant sur la décision de justice, Laurent Gbagbo n'a même pas les qualités d'un militant de quelque parti que ce soit. Et je m'explique. Pourquoi? Parce qu'un militant, c'est quoi? À la fin de la journée, la véritable importance d'un militant, c'est de pouvoir aller transformer son amour en vote dans les urnes. Tu es dans un parti, tu te promènes, on t'utilise comme un mouton pour dire c'est toi qui es président, mais tu ne peux pas voter. Ça veut dire que tu n'es même pas militant. Donc actuellement, là, même rôle de militant, il n'a pas. Ça aussi, il faut qu'on vous dise ça. Puisqu'il ne peut pas voter, donc il n'est pas utile. En réalité, ils l'ont utilisé comme un cache-nez. Ils l'ont utilisé, Laurent Gbagbo, comme un préservatif. Quand ils ont fini de l'utiliser, ils l'ont mis là. C'est parce que les cadres du PPAC n'ont pas le courage et ils n'ont pas le charisme de pouvoir eux-mêmes dire qu'ils sont candidats. Donc, ils ont pris le nom de Gbagbo pour l'utiliser comme un leurre. Le temps d'utiliser comme un gros préservatif troué. Et après, ils l'ont mis à la poubelle et puis on passe à autre chose. Et on va toujours continuer comme l'histoire est une chose qui est intéressante et le passé aussi est très intéressant. On va vous faire jouer ici quelques propos de Probabo de par le passé pour voir un peu leurs incohérences avant de pouvoir continuer. Donc la condamnation de... Voilà, donc on va jouer ça ici pour que vous puissiez écouter. Que les juges fassent leur travail. Probabo, il a été condamné à 20 ans. Donc la condamnation de 20 ans apparaît dans son casier judiciaire. Il a été condamné par contumace. Oui. C'est un mensonge. Contumace. Il a été condamné par défaut. Par défaut? Voilà. Et par contumace. Pas par contumace, par défaut. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Vous savez, vous êtes assis là comme ça. Il y en a qui pensent, mais Gbagbo, il a été condamné à 20 ans. Ça dit qu'il n'y a plus de voie de recours qui s'impose à lui. En 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. S'il ne peut pas être candidat, il est. Mais je ne sais pas où est le problème. Non, moi j'ai pitié pour un militant. Ça dit qu'il n'y a plus de voie de recours qui s'impose à lui. La sagesse est de se préparer à partir. Je partirai. Chers militants du PPACI, chers gore endurci, ce qui est mieux pour vous là, faites les funérailles de Laurent Gbagbo. C'est ça nous on vous dit ici. Propre. Garçon qui va amnistier Laurent Gbagbo, ou bien faire entendre à cette décision de justice là, nous on va être sur le dos de la personne. Ça c'était important qu'on vous signale ça. Et comme le disait Sunjata le conquérant, un vrai garçon, quand il n'aime pas quelque chose là, il montre ce qu'il peut faire. Aujourd'hui, notre souhait, c'est que vous puissiez nous montrer ce que vous pouvez faire. Ça nous fera vraiment plaisir et puis on va avancer. Et donc, on va toujours continuer avec aussi deux de nos maires qui avaient fait des préenregistrés qu'on va jouer. Et après ces deux préenregistrés, ceux qui veulent véritablement prendre la parole, on va pouvoir vous les accorder, l'accorder, s'il vous plaît. Terre pour vérité, salut tout le monde de la classe. Les Mao, les Chao. Maman, Madame Blanc, le roi Plinta, le cyclone, je te salue toi-même, bon travail toujours. Merci pour nous éclairer tous les jours. Depuis moi, je te suis vraiment, vraiment. J'ai compris beaucoup de choses dans ce monde-là. J'ai pas vu de Côte d'Ivoire. Ce monde-là, je connais comment le monde fonctionne. Donc, je te remercie toujours. Le combat continue. À la français. À la Chine, Karina Dame. Mais c'est que moi, mon Dieu, c'est pour répondre toujours à Bléouté, à Yébabo, avec ce nom. Tu sais, ils ont un problème que moi j'ai constaté, puis je pense à ça souvent.
Ou bien il y a quelqu'un qui m'avait dit, comme ma voisine, à ce moment, elle était derrière Babou. À ce moment, son papa n'était pas devenu chef de canton, puis le gouvernement va commencer là. Parce que quand le gouvernement, son père devient chef de canton, puis le gouvernement l'a payé. Non, elle a aimé Adou, sinon elle aimait pas Adou. Elle aimait Babou. Elle me disait que ces deux personnes qu'ils ont fait par là, ou bien l'autre en prison, ou bien l'autre au Dieu. Moi, je lui ai répondu que. Il n'y avait pas des personnes qui étaient en parole. C'est Babou qui était en parole contre tout le monde. Donc, il mérite d'être prisonnier. Maintenant, le problème, que quand il voit le pays instable, le pays est propre, le vieux travail, le papa de travail, papa bonnet travail, ça les fait mal. Il y a des minimes. Donc, comment il faut faire maintenant? Il faut mettre la violence. Et puis tout le monde entier va voir pour dire que non, que Ado est venu au pouvoir. Voilà, violence, c'est tout. Comme lui-même Babou il a prononcé, aussi si Ado vient là, il aura la paix. Parce qu'il ne veut pas la paix. Comme il ne veut pas la paix, papa Ado veut la paix. Nous, on veut que papa Ado n'est qu'à laisser de ramener ses mercenaires, c'est pas les étudiants, c'est les mercenaires. Donc maintenant, les mercenaires, maintenant, c'est entre civils et civils, maintenant, on va se montrer ce qui se passe. Tous les corps à pied, ils n'ont qu'à se mettre dans le cas. Et ils n'ont qu'à demander quand ils voient Djoukou, quand Djoukou, il a pas, ça s'est passé là. C'était face à face. C'est les militaires qui étaient au milieu pour séparer. Sinon, c'était face à face. Au pire, on va voir qui a mis l'eau dans le coco, qui est qui dans le pays là. Parce que trop, c'est trop. Toujours menace. Non, on est fatigué dans ça. Et il menace Ado là. Aussi, Ado est les camarades. Papa Ado n'est pas les camarades. Papa Bonnet n'est pas les camarades. Donc, et ils sont. Babou même, il a pris pouvoir là. C'était pour se venger. Donc, ils sont là pour se venger. Donc, nous tous, on va se venger. Parce que tout le monde a son douleur. Donc, c'est comme nous, nos palabres là, ils parlent pour faire les palabres. Babou, c'est la part liste demain, ni après-demain. Donc, il veut faire des choses comme on appelle, il veut monter l'image du pays là pour dire que non, quand Ado va quitter au pouvoir, Ado sera en prison. C'est ça seulement il veut, parce que c'est ça il pense. Donc, c'est à cause de ça, nous on dit toujours à papa Ado, il faut faire la justice. Parce que s'il y a la justice là, tous les trucs là, ça passe et passe. Parce qu'il veut que non, c'est ça ils ont dit, que Drama Babou était en prison là, il faut que toi tu seras en prison comme ça. Parce que quand il y a au pouvoir, qu'il y a quelque chose, il y a 20 sang qui est fessé, ou bien ce qu'ils ont provoqué, là, on ne parle pas de lui, on dit non, c'est toi qui es le président, c'est toi qui prends les responsables de ça. Alors que pour Babou, ce n'était pas ça. Il menace, il parle, et puis il fait. Toi, tu ne parles pas. Maintenant, je vais dire à tous les militants, tous les RHDP, tous les RDN, nous les nordistes, que nous, ils nous cherchaient pour nous tuer chaque jour, plus, et c'est nous qui étions tués là. Nous, on va s'élever. On dit on ne veut plus la violence. Ceux qui vont imposer la violence, on va les imposer la paix. Quand ils ne veulent pas ça, on va les couper les queues un à un. Femmes comme garçons. Et puis, c'est nous les mamans. On met le président au monde, c'est nous les mamans, on met les ministres au monde, c'est nous les mamans, au monde. Je mets tout le monde en défi. Nous les mamans, on prie toujours, on va prier, on va s'élever, trop c'est trop. Parce que s'il y a la guerre, c'est nous qu'on souffre. S'il y a ça, il y a la guerre, c'est nous qu'on souffre. S'il y a la guerre, c'est les mamans, les femmes enceintes, tout le monde, que nous on souffre. Femme peut accoucher, qui a dit l'élément, on peut plus ça dans notre pays, on est fatigué. On a vu le Rwanda, on a vu le Libéria. Mais actuellement, ça va partout. C'est chez nous, comme papa est venu pour construire. Papa, tu as construit, on sait. Mais c'est les gens, eux, ils sont là contre la paix. Ils sont là contre le développement. Donc, comme ils sont contre le développement, nous-mêmes là, nous, on est contre eux pour les finir. Quand Babou s'est là tué, avec Simone, avec les brûlés, on sera en paix. Trop, c'est trop, on est fatigué. C'est qu'une palabre qui ne finit jamais. Parce que c'est palabre de Etini.
C'est pas ça, c'est plus la politique. Comme ils ont montré que c'est pas grave de dîner, c'est plus la politique. Nous, on va les montrer, comme ce n'est plus la politique, c'est guerre civile. On va les montrer aussi guerre civile qui a mis nous dans le coup, qui va gagner. Parce qu'ils savent que c'est nous, on investit. C'est nous, on a les voitures, on a les constructions. C'est ceux qui parlent, ils n'ont rien, ils n'ont pas fait quelque chose, ils n'ont rien à réaliser dans leur vie, ils ne travaillent pas. Donc, si c'est gâté, c'est pour aller gâter bien des gens. On ne va plus accepter ça, bien de quelqu'un se l'a gâté. C'est eux-mêmes là qui vont finir. Et puis ils vont dire, il y avait des groupes, petits groupes qui s'appelaient groupe Bo, groupe Go, groupe, comment on appelle, PPACI, groupe, choses comme on appelle là, FPI, que on va parler d'eux dans un moment. Ils seront dans les histoires. Ils vont finir cette terre-là, terre de Côte d'Ivoire. Inch'Allah, Nadia Lalaï. Trop c'est trop d'eau que là. Ansegue là. Mouke là. Donc là, je lance tout le. Je mets tout le monde au défi. Au plus, je mets tout le monde au défi. Je parle de tout le monde. On va veiller au crin. Même si on a vu que comment on a gâteau chien. Babou en médicament. Soumon en médicament. On va te localiser. On sait où tu dois mettre médicament. Ou puis ton fils là, Michel là, cette fois-ci, on va le tuer. Si moi, ni moi, d'inta, moi, d'infra, n'a bien bien, n'a djaraï, c'est qui en nous a djaraï. Tout c'est tout, y'a quoi? Toujours chaque élection. Élection, mais les gens vont mourir. Et comme on appelle présidentiel, les gens vont mourir. C'est quand ça, c'est quoi? C'est vous seulement qui vivez cette terre-là. Ou bien dites vos amis que c'est vous qui doivent vivre cette terre de Côte d'Ivoire, les autres ne doivent pas vivre. Tout c'est tout. Nous, on n'est pas peur de vous. On n'est qu'à se respecter, mais on n'est pas peur de vous. C'est à cause de ça, il y a une fille, quand ils ont dit que Babo va sortir là, il y a une fille qui est sortie pour dire on va tuer les djoulas. Pourquoi la vidéo là ne circule plus encore? Quand ils disent tu as tué les djoulas, nous on va vous tuer. Nous on va vous tuer. Parce que comme on le sait, mais Dieu même là, Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit quand on te tue, quand on vient te tuer, il faut te défendre. Maintenant, quand tu tues, quand quelqu'un te tue là, on le tue. Même pays que moi je suis là, quand tu tues, on te tue. Même tu tues ta femme, on te tue. Tu tues ton enfant, on te tue. Comme toi, tu ne veux pas vivre. Quand tu as vu les gens qui. Fadé Mikadine, toi là, on va te tuer. Puis tu as goûté aussi. Donc, c'était mon intervention. Et aujourd'hui, mardi, je salue tout le monde de la case. Aujourd'hui, le 23. Vraiment, vraiment, je crois que c'est pour bien les réseaux qui me fadent que. Je partage que je suis un peu puis j'ai quitté dessus parce que pour venir des réseaux, ça me fatigue. Donc je salue tout le monde, je salue les Mao, les Chao. On veut le grain, le combat continue. Inch'Allah, on va arriver. Nameta Mamissi. Salam alaikum. Et donc, nous disons merci à Mers Mao Mariam de Médine qui vient de nous faire une très belle intervention, ce qui est chose excellentissime. Et cela va nous faire passer à un certain nombre d'informations. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Je ne vous ai jamais caché que moi, je suis en lien avec les dirigeants de la FEC actuelle. On communique et on leur donne des conseils en arrière-plan. Ils viennent à l'instant même de produire un communiqué et m'ont envoyé. Je vais lire ça. Je ne vais pas lire. Hein. Ça y est sur la page. Il faut aller regarder. Là, si je mens, là, tu dis tu mens. Le communiqué a été fait aujourd'hui, 25 mai 2023. Et voici ce que la FEC nous dit. Je vais me priver de tout lire. Hein. Dans les deux premiers paragraphes, ils disent qu'il y a eu, après les propos du monsieur Koubert Koulibaly le 20 mai 2023, il y a eu des différentes interventions venant des jeunes du parti du PPACI et du RHDP. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais lire. Malheureusement, la FECI constate avec consternation qu'une certaine opinion tient à l'impliquer malicieusement dans cette affaire purement politique en prétextant que les membres d'une association de jeunesse estudiantine de l'opposition se seraient réclamés d'elle, ce qui est totalement infondé. D'ailleurs, la FECI tient à rappeler à toute fin utile qu'elle est une organisation autonome, apolitique et laïque dont le but fondamental est la défense des intérêts matériel et moraux des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire. Et donc, vous aurez compris, quand nous vous disions que ces personnes-là, ce sont des miliciens, allez reprendre l'émission d'avant-hier, j'avais dit à la FEC de se déterminer, et c'est ce communiqué qu'ils ont produit.
ce sont des miliciens. Ce n'est pas caché. M. Berthet en a reconnu certains. On le sait très bien. Mais si on a fait ça, c'est pour aider la fessie elle-même. Parce que ceux qui vont se mettre devant là, vous serez massacrés. Et c'est bien, et c'est mieux pour vous que vous ayez fait cette déclaration-là pour qu'on puisse savoir qui est qui. Mais ce qui est intéressant, c'est que la fessie va plus loin. La fessie actuellement, je ne vous donnerai pas certains détails, est en train de traquer ces miliciens-là. Et donc, on va les aider dans cette traque-là pour les traîner devant les institutions de la justice et pour montrer leur vrai visage aux uns et aux autres. Et donc, cette histoire-là, si vous pensez qu'on s'amuse, on ne s'amusera pas et l'heure de l'amusement, il est terminé. Vous serez traqué. La fessie vient de nous dire qu'elle est apolitique. Ça veut dire qu'elle ne donnera pas de position claire et qu'elle ne se prononcera pas sur une décision politique dans ce pays-là. C'est ce qui est vrai. Leur premier rôle, c'est d'aller à l'école. Ils vont aller à l'école, c'est intéressant. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, ceux qui ont fait cette déclaration-là, je peux vous dire aujourd'hui, en ce 25 mai-là, on est en train de les traquer. Et ça sur plusieurs dimensions et sur plusieurs aspects. Donc là, allez leur demander si eux-mêmes, après cette déclaration-là, s'ils sont en paix et s'ils sont tranquilles là, ils savent ça, mais vous verrez la suite. Et deuxième chose que j'aimerais aussi annoncer, c'est de dire à certains gendarmes, vous voyez ce pays-là, c'est 322 462 km². Quand tu parles là, on entend. Les gens qui rentrent pour vous blaguer là, que d'être en alerte là. Les Uber Oulaï, les gars endurcis qui sont en train de vous blaguer pour vous envoyer des messages, vous demandez de rester en alerte là. Qu'il y aura quelque chose là. Frère, si tu veux mourir là, faut mourir. Ta femme là, nous on va prendre ça. Tes enfants là, on va les transformer en boy. Ils vont travailler pour nous. On va les enlever à l'école pour les mettre dans plantation. Comme ce sont les pépéaciens qui ont fait ton école, qui ont fait que tu es devenu gendarme là. Et puis ils te font les anciens rêves là. Et puis les fausses promesses là. Il faut croire à ça. Avant toi, ils ont fait promesse à des gens. Mais après là, ils les ont liquidés. Quand le temps est arrivé, ils disent, bon, comment on a fini là? Laurent Gbagbo les envoie au cimetière. Il faut les suivre. C'est que tes jours là, il faut compter. On parle plus de ton temps de vie là. C'est en minutes qu'il faut compter. Parce que dès que vous... Si je dis ça là, je sais de quoi je parle. Et tu sais aussi, vous savez de quoi je parle. Vous les gendarmes qui êtes là, qui prêtez l'oreille à ces gens-là. Continuez. Mais c'est peut-être votre dernier salaire que vous allez prendre le 25 du mois aujourd'hui là. Parce que la minute où vous allez essayer de faire de la zizanie là, ça sera aussi votre dernière minute sur la terre. Ça, c'est très important aussi qu'il faut qu'on vous signale ça pour qu'on avance. Là, si on tue quelqu'un... Et puis, on s'en va prendre sa femme pour marier ça en pleine journée, en une minute là. Et puis, on va enceinter vos femmes là pour faire plein d'enfants. Et puis, ils vont devenir militants RHDP. En plus de ça encore. Donc, continuez à vous amuser. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une émission, c'est la voix du militant, un peu spéciale. On va donner la parole à certains. On ne sera pas très long aujourd'hui. Et c'est pourquoi je me permets de pouvoir jouer les différents messages vocaux des personnes, avant de pouvoir donner la parole. Nous passons ici à Meraki, qui en avait fait un message préenregistré. Bonjour à tous. Au vu de tous ces signes de violence qui refont surface encore aujourd'hui, il est crucial de faire de l'interpellation. Chers Ivoiriens, où êtes-vous? Que dites-vous de ce qui est en train de se passer encore aujourd'hui? C'est toujours Laurent Gbagbo qui visiblement s'auto-victimise. Laurent Gbagbo n'a pas encore fini avec la violence. Vous entendez encore les mouvements où on cite Laurent Gbagbo. Pendant 10 ans d'occupation de pouvoir de Laurent Gbagbo, vous avez tous été là. Vous l'avez vu, tous. 10 années de pouvoir et donc 10 années de pression sur des populations en majorité, sur le peuple du Nord. Vous en étiez témoin. 10 années de souffrance. 10 années pendant lesquelles enlèvement, meurtre, tuerie, massacre, viol, tout cela était commis par Charles Blé Goudé sous ordre de Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. Exécuté avec les milices
qu'il dirigeait, que celui-ci dirigeait. À travers son article 125, La Machette, les escadrons de la mort, Chablais Goudé a tué et a fait tuer pour se faire plaisir et faire plaisir à Laurent Gbagbo, son père, tous les deux voyous, de grands voyous, des tueurs, tel père, tel fils, on nous le dira, tel maître, tel élève. Ce sont ces mêmes Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo que vous, encore, il y en a parmi vous, adorez et aujourd'hui, comme pour nous dire qu'ils avaient bien agi, et certains même vont jusqu'à qualifier Blé Goudé d'enfant prodige et lui, Laurent Gbagbo, le père, qui, pour eux, doit revenir au pouvoir. Ça veut tout simplement dire, pour moi, pour nous, ça veut tout simplement dire que vous étiez très heureux de les voir faire subir le martyr aux autres, heureux de les voir massacrer les autres, disant que cela a duré. Vous avez été là, dans cette même Côte d'Ivoire, on n'a vu aucun de vous sortir, ni même d'essayer ensemble, de vous mettre ensemble pour faire arrêter les horreurs que Laurent Gbagbo faisait subir aux autres. Il y avait même des parents qui signalaient des gens qu'il fallait aller tuer. Ils envoyaient aussi leurs enfants faire ce sale truc. C'est qui leur avait même d'ailleurs valu à tous la fuite et aller se faire réfugier à l'extérieur vers à la fin de la crise post-électorale 2010. Quand le président Ouattara parvient aujourd'hui à normaliser la situation, à peine Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, suivi de Blé Goudé, les autres bien entendu, y compris, ils viennent encore aujourd'hui profiter d'une situation d'élection pour recommencer ce qu'ils savent si bien faire. La violence est toujours la violence quand il s'agit de pendant que le fils Blé Goudé, lui, fait avec la ruse. Nous le voyons tous. En tout cas, tout le monde voit ce qui se passe encore aujourd'hui et donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous demander de sortir de votre silence au vu de ce qui est en train d'arriver, sortir pour interdire tous ces mouvements de violence. Mettez bien en garde vos enfants cette fois-ci de toute violence. Dites-leur aussi de ne plus s'engager dans de telles choses parce que les victimes que vous voyez là ont soif de justice. Ne les provoquez pas. Si vous-même êtes complice de tous ces méfaits, le temps est venu pour vous d'arrêter votre méchanceté sans fondement à l'égard des autres. Si vous laissez vos enfants faire, si vous les y encouragez, on dit qu'ils ne disent rien consent, alors vous allez le regretter parce que les victimes qui ont cette soif de justice vont se défendre. Ils vont vous le faire regretter et ils seront tout à fait en droit de légitime défense. Si vous pensez à causer des troubles pour incriminer le président Ouattara à l'image de votre criminel Laurent Gbagbo, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Nous vous interpellons donc à tous faire preuve de sagesse et anticiper le pire qui arrive, s'il vous plaît. C'est une exhortation, voilà. Nous vous
nous interpellons et donc vous demandons de faire preuve de sagesse et anticiper le pire qui arrive, s'il vous plaît. C'est une exhortation. Faites votre part pour une société tranquille. Mettez fin à ces agissements de bêtes sauvages dans notre société pour la paix et le bonheur de tous. Le président Ouattara a fait, sa part depuis toujours et même avec excès, vu toute cette liberté débordante dont bénéficient les malfaiteurs politiques de notre pays aujourd'hui. Et je les ai énumérés plus tôt. Je les ai cités plus tôt. Sinon, sachez que aussi longtemps que vous voudrez combattre les autres, ça veut dire que vous-même ne trouverez pas le sommeil. Donc, vous n'aurez pas de paix. Merci, je vous dis merci, merci pour vos efforts, merci pour l'effort de tous dans cette affaire, dans cette crise, on va dire, annoncée. D'ailleurs, éclaireur, le moment est même d'ailleurs venu de revendiquer que tous les politiciens sans moralité, avec tous ces crimes de sang, avec tout ce qu'on sait, soient bannis de la scène politique et il faut le revendiquer très fort. Que ces gens soient bannis de la scène politique, il est temps que nous finissions avec tous ces déboires. Nulle part ailleurs vous verrez de tels personnages admis en politique. Je pense qu'il faut revendiquer de toutes nos institutions qu'elles traitent cette question. Si nous le faisons pas, on ne pourra pas compter sur leur bonne foi et donc nous permettrons encore et encore que ces gens sans moralité se servent de nous. En fait, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui pour interpeller tout le monde et surtout tous ces partisans de Laurent Gbagbo, que ce soit enfants, parents, jeunes, hommes, grands-pères, tout ça avec leur esprit de méchanceté, de xénophobie et tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on sait d'eux. Nous les interpellons aujourd'hui qu'ils fassent très attention, qu'ils fassent arrêter tout ce qui est en train de s'annoncer aujourd'hui. Merci et bonne émission. Nous disons infiniment merci à Meraki qui vient de nous faire une très belle exhortation, une invitation à être sur le droit chemin, quitte à ceux qui voudraient l'accepter, de le faire. Et ceux aussi qui ne veulent pas accepter, vous retrouverez en face de vous la réalité qui va s'imposer à vous. Et définitivement, on va terminer avec le préenregistré de notre maire Koulibaly, que nous allons jouer ici. Et après, s'il y a quelques-uns ou quelques personnes qui voudraient prendre la parole, on va leur donner la parole pour un peu de temps et puis essayer d'arrêter le direct de ce jour. Et donc, on écoute ici notre mère bien-aimée dans ses interventions. PV, bonjour éclaireur et salut tous ceux qui viennent pour la première fois sur notre page, notre classe, pour écouter la vérité pour s'abreuver des bonnes choses. Ce que je veux dire aujourd'hui dans mon intervention, c'est pour dire aux étudiants, nous tous, nous sommes nés en Côte d'Ivoire. Nous avons connu la politique du feu Boigny. Nous avons connu la politique de notre papa Bédi, nous avons connu la politique du président Guéry Robert, de Gbagbo Laurent, et aujourd'hui nous sommes avec notre papa, son excellence Alassane Ouattara. Ça veut dire que il y a longtemps, nous sommes dans cette affaire-là, dans la politique-là. Ils nous ont appris beaucoup de choses. Et nous avons vu, nous avons vécu des situations tellement un vrai que quelqu'un ne peut pas venir tordre le cou à l'histoire. Nous avons tous été à l'université et c'est à cause de leurs méfaits, leur toxicité là, la fessie là, c'est à cause de ça. Nous autres là, on a abandonné puis on est allé se mettre dans d'autres services. Mais si le papa Ado est venu et qui n'a pas pu dissoudre cette nébuleuse-là,
et qu'on vous a donné une chance de vous rattraper, de prouver au monde entier que ce que les gens disent de vous, là, ce n'est pas vrai. Et qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des papassiens, vous avez réveillé les vieux de moi. Je crois que nous qui avons mis le docteur Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, nous allons dire au président de dissoudre votre mafia là. On va lui dire de dissoudre ça. Parce que c'est la voix de la majorité là qui va compter. On est fatigué de vos trintrins. On est fatigué de vos assassinats, de vos viols. Vous violez les gens, vous violez les filles, vous tuez les gens. Hein? L'université est devenue la fessie là. Je ne sais pas s'ils sont devenus des gardiens de cimetière. Voilà. Ça dit que l'université est devenue un cimetière où quand on vient vous blaguer et puis vous partez, vous tuez les gens, vous les enterrez là-bas. On est fatigué de ça. Cette chose-là, on va dissoudre ça. Vous n'avez pas dit qu'on ne peut pas. Mais Ouattara, là, avant que notre papa là, ne parte de la présidence de la Côte d'Ivoire, là, vous seulement, là, on va vous enterrer. On va vous enterrer avec votre fessie. On va vous enterrer. Pour ne plus parler de ça. Parce qu'on va parler de ça, de cette vilaine chose. On va parler de ça à nos enfants, nos arrière-enfants. Pour ne pas qu'ils adhèrent à votre système de mort. Là. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Et c'est ce que j'ai à dire. Et à chaque fois, c'est toujours les gens du FPI, les blés boudés, les papassins, c'est toujours eux. C'est eux qui sont toujours derrière ça. Dès que tu vois que la fessie commence à avoir des ailes, là, ils sont en bas. Mais ils sont en bas, là. Nous-mêmes, là, le gouvernement, même au courant de ce que vous faites, on vous regarde. On vous regarde. Vous pensez que nous, on est là pour voir seulement le dos du nageur. Nous, on n'est pas comme vous, hein. Nous, on voit seulement le dos du nageur. Mais vous, vous achetez vos maillots, là. Où on fabrique même maillots, là. C'est là-bas, même nous, nous sommes. Donc, on continue. Mais vous allez trouver les Ivoiriens sur votre chemin. Si prête à Dieu, là, cette affaire de fête, là, ça va prendre fin. Incessamment, ça va prendre fin. Regardez seulement, vous allez voir. Donc, mon maître, c'était ma petite contribution. C'est ce que je voulais dire. Je salue tout le monde. Je dis merci. Merci à toi, éclaireur. Grâce à toi, là. En tout cas, on voit clair et on comprend mieux la politique de Côte d'Ivoire. Que le Seigneur te facilite la vie et te protège de ces charognards. Merci beaucoup. Merci à la CAF, merci à tous les EPV. Ok, merci. Merci surtout à vous, chère mère. Il n'y a pas de petite contribution, puisque celle que vous venez de faire contribue même à sauver des vies et à sauver même des brebis égarées. Et ça, c'est une contribution extrêmement importante. Nous sommes dans la voie du militant. Pour les messages préenregistrés, nous avons fini avec. Si on a peut-être quelques personnes qui ont deux ou trois mots à dire, allez sur votre propre messenger, éclaireur pro vérité. Vous demandez à prendre la parole le plus tôt possible. Et s'il n'y a personne, on va boucler dans les 1 minute qui suivent pour pouvoir progresser, c'est-à-dire dans les 60 secondes. Et donc, c'est la voix du militant. Si tu as quelque chose à dire et que le direct est ouvert, tu peux décider de venir parler. Et si tu es un habitué, tu vas sur ton messenger, tu tapes éclaireur pro vérité bis. Tu appelles, on te donnera la parole. Donc, on va prendre quelques personnes. Il ne nous reste pas plus d'une heure du temps. On va utiliser ces 1 heure du temps pour écouter les uns et les autres, pour pouvoir progresser. Bonjour, chère mère. Oui, bonjour, cher. Bonjour, cher fils. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça fait 2 jours. Effectivement, ça ne fait qu'un jour. Je vous assure. Content de vous avoir aujourd'hui. Merci à Mère Adjara pour son intervention préenregistrée. Et puis la mère de
d'Arabie Saoudite. Mm-hmm. En tout cas, merci à vous-même aussi, éclaireur. Je dis bonsoir à tous. Éclaireur, deux petits mots. Mm-hmm. La fessie, j'ai cru vous entendre tout à l'heure dire que vous échangez avec eux. Mm-hmm. Mais éclaireur, ça ne me suffit, ça ne me satisfait pas. Mm-hmm. Ça ne me satisfait pas parce que quand j'écoute l'intervention de Mère Adjara disant que eux-mêmes, du temps où elle était à l'université, elle en a aussi souffert des choses, des comportements des membres de la FESI. Mm-hmm. Donc, tout ça perdure, en fait. Mm-hmm. Ça a toujours été comme ça. Donc, l'existence même de la FESI, là, qu'est-ce qui empêche de dissoudre le fait de disparaître cette existence, en quelque sorte, dissoudre la FESI? Quel est le problème, en fait? Est-ce que vous en avez une compréhension? Même du fait que vous échangez avec l'éclaireur, ça ne nous satisfait pas, franchement. Okay. Il faut que cet organe disparaisse. Okay. Votre avis est votre avis. Et effectivement, quand on regarde l'historique de la FESI, ils n'ont pas déjà des antécédents qui leur font faveur. Mais vous savez aussi, ce sont des jeunes frères, il faut les canaliser, les surveiller. C'est dans ce sens-là que nous collaborons avec eux. Et ce n'est pas une surprise, puisque vous-même, vous avez vu, une fois on a invité le secrétaire national de la FESI ici pour avoir des propos très directs avec eux. Parce qu'en réalité, il ne faut pas se mentir aussi, tout ce qui se passe là, c'est de la manipulation en fait. Voilà la FESI qui sort aujourd'hui, après les conseils que nous leur avons donnés. Si vous n'êtes pas parti pris dans ce qui a été fait, faites une déclaration, ils l'ont fait. Et cher maire, je peux vous dire aujourd'hui, il y a beaucoup de manipulations qui sont faites. Et si hier, Laurent Gbagbo et sa bande pouvaient utiliser la FESI comme un moyen pour atteindre leurs objectifs, aujourd'hui, je peux vous dire que le secrétaire national qui est là aujourd'hui ne se prête pas à ce jeu-là. Mais ce que vous dites, c'est vrai. L'antécédent de la FESI, quand on voit d'autres incidents en train de naître, ça rappelle tous ces anciens souvenirs-là. Et eux-mêmes, ils ont beaucoup à se tenir à carreau pour ne pas tomber dans la disgrâce. Et à la question de savoir pourquoi ils ne sont pas dissous, en toute sincérité, je peux vous donner les raisons, mais pas en public. D'accord. Voilà. Sinon aussi, cette attaque violente qui a eu récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, où André Sylvain, que je ne porte pas dans le code, bien entendu, a été aussi objet. Et d'autres personnes violées ou violentées et autres. Enfin, c'est un incident qui est arrivé, qui est passé il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Donc, et ça, c'était ces mêmes membres de la FESI ou alors c'est... Je ne sais pas, finalement, qui commet quoi, qui est... Oui, en réalité, ce qu'il faut que je vous dise actuellement, la FESI que vous voyez là, il y a trois FESI en fait. Ah, voilà, c'est plus clair. Il y a la FESI qui collabore avec les autorités. Cher maire, je ne vous dirai pas ça en public, on va laisser les choses. Il n'y a pas de, problème. Je peux vous expliquer un peu comme je l'ai dit. Désolé. Mais ça veut dire... Mais il y a aussi une partie qui est manipulée. Il y a aussi une partie qui est manipulée par Laurent Gbagbo. Et je peux c'est vous clair. Dire que ceux-là, actuellement même, ils ont des armes, ils ont reçu des armes. Mon Dieu. Et aujourd'hui, la FESI est divisée en trois, je le dirais, d'une certaine façon. Il y a la FESI normale que vous connaissez, avec Alain Sinclair. Quand je dis qu'ils collaborent avec le gouvernement, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent avec le gouvernement. Ça veut dire qu'ils sont prêts à respecter les règles de l'État et à faire amende honorable vu leur passé qui est lourd. Ça, c'est la bonne FESI. Ça... Non, qu'elle soit bonne ou pas, en tout cas, c'est cette fessie-là au moins qui ne crée pas de troubles et qui cherche à laver son passé très sale. Et ça, d'accord. C'est pourquoi nous collaborons avec eux. Quand je dis collaborer, de temps à autre, quand il y a des choses qui nous parlent, on les appelle pour leur demander c'est comment. Je comprends. Et c'est pourquoi vous avez vu, c'est avant-hier que je leur ai dit faites un communiqué si vous n'êtes pas dedans. Mais le communiqué, il est là sur la page. Ça veut dire quoi? Ouais. Ils sont allés plus loin pour dire qu'ils sont apolitiques, ils sont laïcs. Mm-hmm. Et donc, on va tenir compte de ça. Ce communiqué-là, nous, on le garde dans nos archives. Le jour qu'ils vont sortir pour faire quelque chose qui ressemble à de la politique, on va leur dire, donc, vous avez menti. Donc, ça pourra être une raison contre eux. Mais il y a aussi notre FESI qui est un ensemble de miliciens qui ont été manipulés. Parce que c'est vrai, il y a des étudiants, c'est ce que je vous ai dit, il y a des étudiants par pose ethnique et tribale. Eux, quel que soit ce que tu leur diras, ils seront du côté de Gbagbo. Ils n'aiment pas Ouattara. Eux, ils sont là, ils sont sur les cités. Ça, il ne faut pas mentir.
Donc, eux là, eux sont là-bas. Je vous ai déjà cité le premier groupe. Le troisième groupe qui est sorti de tout dernièrement là, c'est eux, les miliciens se faisant passer pour des, des élèves ou en association estudiantine ou scolaire. C'est eux qui sont, c'est ce visage-là qui est ressorti. Et ce qui est intéressant, c'est que le diable venait de se montrer à la face du monde. Or, vous savez, une fois que le diable se présente, il perd la moitié de son pouvoir. C'est eux qui sont sortis pour dire que Laurent Gbagbo les a mandatés pour lui faire gagner les élections. Et c'est très intéressant. Avec quels moyens ils vont gagner ces élections-là? On ne pouvait pas attendre mieux. On ne pouvait pas attendre mieux. Et donc, nous sommes très à l'aise aujourd'hui. Et ça, je peux vous dire aujourd'hui, on est en train de les traquer. J'espère qu'ils seront tous pris. Tous. Moi, je ne sais pas ce qui arrivera demain, mais ils sont traqués pour l'instant. Et quand je dis que ce n'est pas le gouvernement qui les traque, ça, c'est nous-mêmes qui faisons notre travail de terrain. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est encore meilleur. Mm-hmm. C'est encore meilleur, éclaireur. Mm-hmm. Merci beaucoup. Mm-hmm. Et merci. Éclaireur, mm-hmm. Il y a une chose que j'ai envie de dire. Profitez rapidement de votre antenne pour dire. De notre antenne. Là, il s'agit... Oui, de notre antenne, désolé, j'ai droit à une punition. Vraiment. Non, j'accepte aussi les dons en nature, hein, que ce soit en chocolat, que hot chocolate, even sometimes. Je vais vous renseigner auprès des nouvelles étudiants d'Akora. Even sometimes, like some British pound, yes. I'm just joking, okay. Oui. J'accepte même le riz couché aussi. D'accord, il n'y a pas de problème. On va voir ça. On va sublimer le riz couché. Merci beaucoup. Donc, je voulais profiter de l'antenne aujourd'hui que j'ai de la prise de parole pour dire qu'il s'agit de déguider. Et je vais faire bref là-dessus. C'est juste un élément de la. Du débat avec déguider sur NCI. Monsieur Ali Djerassouba a. Vers la fin de l'émission, a demandé à Blégoudé s'il était, s'il pouvait venir pour d'autres émissions et autres. Et l'individu s'est dit qu'il était disponible. Enfin, il a répondu qu'il était disponible. Mais dans ce qui m'interpelle, en fait, c'est le fait que M. Ali Djerassouba demandait à Blégoudé, il projetait quand même l'émission sur le sujet qui était discuté de l'économie. C'est-à-dire, on va, avec Blégoudé, il va discuter de l'économie de notre système gouvernemental avec Blégoudé dans les prochaines émissions. Pour moi, déjà, Blégoudé doit faire objet de quelqu'un qui ne doit même pas être mis à la lumière. Mais non seulement on le rend homme politique, il le qualifie déjà comme d'homme politique. Mais en plus, c'est avec Blégoudé que sur le plateau de NCI, on va venir discuter de notre système, système d'économie. Je trouve ça quand même un peu trop... c'est un peu trop osé. C'est un peu trop trop donner de facilité à cet individu qui est un criminel. Un criminel, un tel... objet, un tel individu ne peut pas venir discuter de notre problème, de notre problème de société. Et franchement, ça me dérange beaucoup. Et je voulais juste interpeller M. Ali Djerassouba, que nous adorons très bien, que nous félicitons pour toutes ces émissions. Mais en tout cas, Blégoudé n'est pas la personne avec qui il faille vraiment venir discuter de notre système gouvernemental. Je vous en prie, laissez Blégoudé... si on ne pouvait pas le confondre même avec son passé, je crois qu'il ne faut pas aller l'inviter sur les plateaux pour parler de notre gouvernance ou alors pour parler de notre société politique. Ça me dérange et c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Si vous avez envie de... Enfin, si vous avez compris mon idée et que vous voulez, développer ça brièvement, ça me ferait plaisir. Mais sinon, c'était un coup de gueule, quoi. Merci beaucoup. Non, je pense que votre interpellation, elle a été plus qu'entendue. Et vous avez donné votre avis. En réalité, sur un plateau, la qualité des intervenants que vous choisissez donne non seulement de la valeur à votre émission, mais aussi donne de la crédibilité au journalisme en question. Et ça, c'est très important. Il faudrait que ceux qui viennent sur les différents débats, et ça, je suis entièrement d'accord avec vous, ce soient des personnes qui ont de la capacité intellectuelle. En toute sincérité, Blégoudé peut parler d'économie.
Blé Goudé peut-il convaincre quelqu'un que lui, il peut amener les gens sur un sentier droit? Je ne crois pas. Il a été juste invité. C'est un invité de circonstances. Et il est venu, vous avez vu en termes même de contradiction entre lui et ses différents interlocuteurs, il ne tenait pas du tout. Et c'est pourquoi vous le voyez tomber dans le sentimentalisme et en train de, comme s'il était le dimanche, en train de faire la messe, il met les deux bras et il dit « Oh mon Dieu, je demande pardon à Laurent Gbagbo, je fais ceci. » On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. C'est leur problème, mais ils savent dans quoi ils sont. Nous aussi, on sait dans quoi on est. Et à la fin, là, on va se rencontrer. Ça, au moins, c'est une chose qui est évidente. Et comme on a déjà ici un autre intervenant qui est là, on va lui accorder la parole, mais vous restez toujours puisque vous êtes les deux personnes. Ah, d'accord. Et il y a Walter Otto qui dit « Meraki, tout don en direction d'éclaireur pro vérité doit passer par moi. Sa boîte postale est domiciliaire chez moi. » Mais ce que je tenais aussi à dire, c'est que Walter Otto ne fait pas preuve de sagesse, cher maire. Parce que j'ai eu à lui donner des conseils en privé comme en public pour qu'il accepte de me suivre pour que je le guide. Il refuse. Et donc, tous les dons qui me seront faits, je vais les collecter directement. Bon, mais on peut faire le partage, sinon. Non, en fait, ce que vous dites là, il y a un conflit entre lui et moi. Sûr. En fait, on veut la même chose. Ah bon? Et donc, sur le partage, on ne s'entend pas. Walter, on va se prendre un inbox, on va pouvoir mieux répartir. Oh, moi, je sais que ce soit vous, que ce soit Mère Blanc, vous serez de mon côté, ça, je n'ai aucun doute. Il sera seul et isolé. Et actuellement, même, je peux vous dire qu'il a été jugé par défaut. Walter a été jugé par défaut. Ah oui? Et actuellement, il ne peut même pas se présenter à une élection ou bien pour, il ne peut même pas se présenter à la poste pour avoir une adresse. Comment voudrez-vous que je le comprenne? Mais lui, dans son cas même là, il a été jugé par défaut, et puis il a été jugé par contumace, et puis il n'a pas accepté d'aller même encore. Donc pour toi là, c'est les deux mêmes. C'est la vie de Laurent Gbagbo. Voilà. En tout cas, Walter, j'ai compris. Donc on verra pour le colis. Merci beaucoup. On verra pour le colis. Et donc, bon, mais je vous laisse passer la parole à l'autre. Il n'y a pas de problème. On a un de nos vaillants guerriers qui est avec nous ici, que j'appelle mon général. Bonjour, mon général. Ah, bonjour, le frère. Comment frère, ça va? Ça va, je suis beau. La voix est sortie, André. Ce qui vient là, ça te plaît, là? Ah, ce qui vient là, ça m'aime, parce que j'ai deux mois à lancer. Faut lancer. Ok, merci d'abord. Je salue tous les EVP sur la plateforme pour le courage. Commencez par vous d'abord, parce que le courage, être à l'aventure, travailler, venir faire ces émissions, c'est pas facile. Ça applaudit. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Ok, frère, moi j'ai deux messages à lancer. Un message au gouvernement, et puis un message au groupe de Gbagbo. N'aime pas envie de dire PPA, parce que c'est les délinquants. N'aime pas bien de dire les noms même. Maintenant, je voulais dire au gouvernement, s'ils pouvaient un peu anticiper sur le comportement des voyous là. Parce que le problème est où? Aujourd'hui, ils sortent pour des déclarations. Et puis après, ça passe. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Tu sais, c'est le peuple ivoirien, c'est un pays. Il y a des villes, les grandes villes, il y a des villages, les campements. Et on est tous mélangés. On est mélangés, nous tous mélangés. Ce genre de message comme ça, si tu n'as pas anticipé, les élections s'approchent. Les élections. Si on n'a pas anticipé sur les gars-là pour leur dire cette déclaration-là, ils n'ont qu'à récupérer cette déclaration. Demain là, ce qu'on a vu de là, ce qu'on a fait de là, ça va arriver. Ça va arriver comment? Ça ne va pas arriver sur les grandes villes. Hein? Ça va arriver dans les campements. Les innocents qui sont dans les campements. Les innocents qui sont mélangés, tu sais, aux extrémistes là, c'est eux qui ont pris les pots cassés. On a vu les élections passées, hein. Ceux qui sont morts là, c'est les gens qui sont parmi les fauriens. Alors, je prends un exemple palpable. Je prends Yougougon. Yougougon là-bas, là, on est mélangés. Ils sont tous mélangés.
et d'abord les vraies victimes là. Mais c'est les innocents. Le gars, il a pris les secours, il a eu le message. Avant que le gouvernement n'arrive, avant que la police n'arrive, avant que nos groupes n'arrivent, déjà, ils vont tuer un innocent. Et ça, c'est clair. Ça, c'est clair en Côte d'Ivoire. Toujours les innocents. Donc, moi, je vais lancer un appel au gouvernement. Ces gens de déclaration comme ça, ils ont caché solution. Vous arrêtez ça avant les élections. Sinon, on va beau prendre nos précautions, on va beau faire, mais une fois, ils vont lancer ce message-là. Quand ils vont lancer là, nous, on va sortir pour les traquer. Mais le message est déjà lancé. Il y a déjà une innocent qui est dans le fond, il y a beaucoup qui est mélangé avec eux là-bas. Qui n'a rien dans, il n'a rien à voir. Les élections, ils vont les tuer, que ce soit du côté de l'ADP ou même un étranger, ils vont le tuer. Ça s'est fait à Abidjan, on a vu. Ça s'est fait. Donc je vais dire au gouvernement, ces genre de déclarations-là, ils n'ont qu'à s'arranger pour stopper ça dès maintenant. Maintenant, là, ils n'ont qu'à arrêter après les élections. Sinon, tout fait dans le système en bas là. Et puis demain, les choses arrivent. Et bien, le vagabond qui sort, il fait une déclaration. Sur place, ils vont arrêter. Mais cette déclaration, c'est déjà lancé. Et ils vont tuer un innocent. Donc, il faut prendre les précautions dès maintenant. Parce qu'on ne veut plus ça. On est fatigué dans ce domaine-là. Tuerie en Côte d'Ivoire, ces innocents-là, on est qu'à arrêter ça maintenant. Voilà, ça, c'est le côté du gouvernement. Pour qu'ils prennent les précautions, pour arrêter ça. Les sorties bizarres. Ça, c'est le côté du gouvernement. Maintenant, je vais venir sur le côté maintenant des gars des Babo, qu'ils soient Babo, ces partisans, ces délinquants-là. Je voulais leur dire qu'ils n'ont qu'à arrêter de faire rêver les militants, ils n'ont qu'à arrêter de faire rêver quelques jeunes hommes, quelques policiers, pour leur dire qu'ils vont faire ça. Ça, c'est fini en Côte d'Ivoire. Moi, mais je comprends pas. Et on dirait que ces gens, ils sont dans le film. C'est comme ici, c'est comme ici. En Occident, tout est bouclé. En Occident, tout est bouclé. Si tu suis ici, demain là, tu vas voir que la courbe est bouclée comme ça. Mais il faut rêver les partisans, il faut rêver les gens. Oui, on va faire ça, on va faire ça. Et les gens aussi, ils suivent. Peut-être ils savent que c'est bouclé, c'est fini. Donc, je voulais leur dire, ceux qui les suivent là, ils n'ont qu'à arrêter. Ils vont mourir cadeau. Comme voilà, c'est bouclé, c'est fini. Ils n'ont qu'à se préparer à aller aux élections. Aller voter, élire un président ou élire un député, un maire. Et puis c'est fini. Mais ces petits messages rentrés dans la police, dit aux gens, on va faire ça là, c'est fini. Hé, hey, on vous fait rêver, hein. On vous fait rêver. Oubliez ça. Ça, c'est fini. Ce moment-là, c'est fini. C'est fini. Donc, sur les deux messages-là, je vais lancer aux deux côtés, monsieur Leclerc. Maintenant, si vous avez quelque chose à dire, je vous écoute. Je suis encore là. Il n'y a pas de problème. Je suis très content de votre message. Et le premier message que vous avez lancé, tu sais, quand un chien veut mourir là, tu entends ses aboiements deviennent très fréquents. Le PPACI même savent, eux-mêmes ils savent qu'ils sont en train d'aller vers leur fin parce que c'est fini. Mais ce qui est le plus intéressant là, c'est eux qui parlent, le 6 va devenir 9, le soleil va sortir au centre de la terre. Mais c'est que nous on ne leur dit pas ce qu'on va leur faire. Chers frères, restons dans ce qu'on est et puis préparons-nous et attendons le bon moment. La meilleure stratégie là, ça se passe aussi dans le silence. Ils n'ont qu'à se déployer, nous on les regarde. Maintenant, en ce qui concerne les derniers égarés qui pensent qu'eux, ils vont pouvoir faire un certain 26 octobre 2000 et faire plaisir à Laurent Gbagbo et aux extrémistes minoritaires et sectaires, tribaux. Chers frères, laisse-les. Le même Laurent Gbagbo, les gens qui sont autour de lui, qui vous ont menti là. Et puis aujourd'hui, les gens sont venus lui dire qu'il va venir se présenter 1000 fois, il ne sera pas candidat là. S'ils ont pu vous blaguer, vous avez cru là. C'est eux encore qui viennent, ils veulent maintenant donner vos vies. Il n'y a pas de problème. Michel Gbagbo à Abidjan. Simone Evé à Gbagbo, elle à Abidjan là-bas. Leurs enfants sont à Abidjan là-bas. S'ils sont vraiment sûrs de leur combat là, vous qu'ils blaguent pour prendre les armes ou même pour faire la violence là, venez. Ce jour-là, vous allez comprendre que la terre, là, ça tourne sur elle-même. C'est ça qu'on appelle la révolution. Ça sera votre fin, ce jour-là. Et donc, chers frères, soyons sereins. Les messages que le gouvernement va dire, là, le gouvernement a son propre plan.
Mais nous aussi, on a notre propre plan aussi. Parce que c'est nous qu'on tue dans les campements. C'est nous, nos femmes, nos mères qu'on empêche d'accoucher. Les enfants meurent dans leur ventre. Donc là, frère, nous, on a pris le temps. On dit à nos parents, regardez en 2020, le président Ouattara dit de nous calmer. On s'est calmé. Regardez ce qui est arrivé à Toussaint. Regardez à ce que des militants qui partaient voter, regardez ce qui leur est arrivé. Regardez les tueries qu'ils ont fait. Mais le gouvernement nous avait dit de nous calmer, qu'ils allaient faire justice après. Ils n'ont pas fait justice. Donc nous-mêmes qui avons appuyé le gouvernement pour venir vous dire de vous calmer là, on a honte devant vous. Là, sur cette question-là, on vous a menti. Il faut dire la vérité aux gens. Parce qu'on a cru aux autorités et à ce qu'elles nous ont dit, on a relayé le message, mais elles ont été incapables de le faire. Mais supposons que c'est nous, on vous a menti pour faire la chose simple. Maintenant, chers parents, vous qui m'écoutez là, ça ne va plus arriver. Parce que votre vie est importante. Et la première personne qui peut sauver vos vies là, c'est vous-même. Donc le gouvernement ne peut plus venir vous dire, ou même ne peut plus nous demander d'encourager les gens à ne pas riposter face aux individus violents. Donc le message que nous tenons aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent, quels que soient les moyens que tu auras pour te défendre, prépare déjà ces moyens-là et assis-toi. On n'a pas dit d'attaquer quelqu'un. Dès qu'ils vont t'attaquer là, tu te défends. Ça, nous, on tiendra ce message-là de façon simple, claire à tout le monde. Et on va dire aux populations, regardez, ces gens-là, eux, ils sont dans la violence. Mais le gouvernement ne va jamais faire parce que ce qu'ils n'ont pas pu faire hier, ça n'est rien de plus que demain, ils pourraient le faire. Et ce message-là, chers frères, continuons à le dire et à le dire de façon simple, mais claire. Cette fois-ci, la personne ne sera supplie. Et ce qui est intéressant là, c'est que nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Donc, venez dire, non, je suis malade là, je suis à l'hôpital là. Hey, tu ne peux pas semer le feu et puis aller te cacher dans un hôpital. En réalité, c'était une cachette. Ce qu'on ne dit pas aux gens, Laurent Gbagbo, incapable de sortir du pays, c'était une cachette. La même chose quand Pulcheri Gbale avait mis le feu en 2020, elle allait se cacher dans un hôtel. Là. C'est leur stratégie. Quand ils sèment le feu comme ça, là, ils vont. Il n'est pas malade. Laurent Gbagbo n'est pas malade. Laurent Gbagbo pensait que, après le fait qu'il a été enlevé de la liste, là, il avait préparé quelque chose avec ses miliciens. Là. Mais ça a été vite réprimé. Et donc, comme il sait ce qu'il avait fait, il allait se cacher, soi-disant que lui, il est malade. Là, au pire des cas, si on doit venir l'arrêter, on va dire, regardez un gouvernement qui ne se respecte même pas, c'est un mourant qu'on vient tirer de son lit de mort pour dire qu'on va aller le juger. On connaît leur plan, on ne va pas les laisser. Et donc là, Laurent Gbagbo peut se cacher mille fois, mais tant qu'il est sur le territoire de la Côte d'Ivoire, là, le jour qu'il va allumer le feu, là, on va l'allumer lui-même aussi avec sa famille. Et c'est ce que le cyclone vous dit ici. On a déjà repéré vos familles, on a déjà repéré toutes nos cibles aussi, comme ce qu'on a fait à la Guenon. Je vous ai dit, on vous a rendu visite, ça veut dire qu'on peut vous atteindre aussi. Quand vous allumez le feu là, on vous brûle dedans directement devant tout le monde d'abord. Vous serez les premiers exemples du feu que vous allez allumer. Aller se cacher dans un hôpital ne va pas vous sauver cette fois-ci. Et ça, le gouvernement, nous sommes désolés, va être obligé de tirer sur les populations ivoiriennes. Mais on va en découdre définitivement avec ces malfaiteurs là. Et c'est pourquoi j'ai parlé de révolution. La terre va tourner sur elle-même en un seul jour, ce jour-là. En tout cas, pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on va déchaîner la population pour leur dire, voilà la source du mal. Tant que vous n'aurez pas extirpé et neutralisé, annihilé cette source-là, vous ne connaîtrez pas la paix, vos enfants ne connaîtront pas la paix. Et nous irons jusqu'au bout, comme dira quelqu'un. C'est ce que j'allais ajouter. Ok. Monsieur Frère, donc ça le coûte. Il n'y a pas de problème. Donc il y a le B-52 aussi qui est là, l'un des avions les plus puissants qui va se déployer. Et ne me demandez pas les dégâts qu'il pourra causer. Chacun pourra constater, c'est un maître de la parole, c'est une puissance intellectuelle et c'est surtout aussi une source historique pour nous. On apprend beaucoup avec lui. Bonsoir cher aîné, bonsoir cher grand maître. Nous vous laissons la parole. Oui, éclaireur, bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde, selon votre condition. Bonjour à Meraki, la grande Massata, Kenakura. J'espère que tout le monde va bien, hein, avec ce que l'on aura du printemps, tout le monde. Hein. Bonjour à toi, éclaireur. Alors, éclaireur, je voudrais te, avant de continuer dans mon élan, je voudrais te poser une question concernant la fiche. Le secrétaire général actuel de la FECI, est-il étudiant
ou alors son activité principale aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est d'être le secrétaire général de la FESI, Service Éducation. Il est officiellement étudiant. Et il est officiellement étudiant, mais est-ce qu'il est prouvé ouais, qu'il continue à aller à l'école? Est-ce qu'il continue à aller à l'université d'Abidjan, Cocody? Est-ce que c'est pour cela qu'il est prouvé? Oui. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait combien d'années maintenant qu'il est à l'université? Bon là, je ne peux pas vous dire exactement le nombre d'années, mais il est étudiant. D'accord. Est-ce qu'il a un numéro matricule? D'accord. Très bien. Ok. Et ensuite, il y a un peu longtemps, je disais ouais, que, parce que c'est sur le cas de Charles Blégoudé que j'arrive. Hein. Voilà. Mais j'ai fait mon introduction. Parce qu'il y a un peu longtemps, j'avais parlé de cela. Le malfrat de Nagumel, le mythomane Babo lui-même, disait ouais, que la politique, que c'est un métier. Parce que là, il faisait allusion au président Alassane Ouattara, qui avait eu une bonne carrière internationale, qui était maintenant à la retraite, qui a pris une retraite volontaire pour venir vendre son expérience et son savoir à la Côte d'Ivoire. Et voyant cela, comme il avait déjà manigancé avec Gay Robert, en massacrant les jeunes militaires, père à leurs âmes, qu'il avait porté au pouvoir, et que Hugues Babo, maintenant, étant dans le front républicain, seulement avec le président Alassane Ouattara, et voulant se détacher, avoir des arguments, avec tout ce qu'il avait planifié, et pour finir avec le général Robert Guéhi, et maintenant, pour saboter maintenant le président Alassane Ouattara, il dit ceci, ouais, que. Les gens pensent ouais, que la politique, c'est quand tu finis de faire tes activités de fonctionnaire et autres que tu dois revenir à la politique, mais que la politique, c'est un métier. Comme quoi, Luc Babo, il dit ouais, que, officiellement que la politique, c'est un métier. Mais je vais poser la question à Babo dans le même temps, puisque nous n'avons pas de voix officielle aujourd'hui comme Facebook pour faire attendre l'autre voix. Mais pendant ce temps-là, Luc Babo, est-ce qu'il a commencé directement sa prise de fonction comme politicien, puisque, à notre connaissance, il est enseignant. Donc, tout ça, c'était pour manigancer, pomper ses partisans et certains Ivoiriens contre le président Alassane Ouattara. Et c'est dans ce chemin que Blégoudé est. Excusez-moi, je n'ai pas dit bonjour à la mère à qui. La mère a dit bonjour à vous parce que vous avez eu la prise de parole avant le président intervenant. Bonjour à la mère. Ah, si, si, vous l'avez fait. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est dans cette lancée que Blégoudé est actuellement. Est-ce que aujourd'hui, pour que la Côte d'Ivoire sorte tous ces vagabonds, parce que même si on ne nous dit pas, on peut se dire intellectuellement qu'il y a de l'argent cadeau du contribuable qui est distribué à ces vauriens des politiciens-là. Parce que moi, je ne sais pas aujourd'hui quels sont les critères. Et s'il n'y a pas les critères, il faudrait voir qu'on balise cela, que n'importe qui ne se lève pas pour ça, pour s'incruser dans le système politique en Côte d'Ivoire. Parce que quand même, il s'agit de l'avenir des milliers et des millions de personnes. Alors, quels sont les critères aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour qu'on se proclame politicien? Blégoudé n'a jamais travaillé. Il n'a jamais terminé ses études. Alors comment un individu comme ça aujourd'hui, comme un maire à qui le disait, peut être présenté aujourd'hui sur un plateau de télé et débattre même de l'avenir des millions d'Ivoiriens? Donc à ce moment-là, que ce soit la grosse Fiona Kura, que ce soit Machata Blanc, que ce soit maire à qui, que ce soit tous les autres, qui sont sur ce live, et même dans la vie courante à Côte d'Ivoire, donc ne scolarisez plus vos enfants. Parce qu'on ne peut pas aller, vous ne pouvez pas, parce que aller à l'école, c'est un investissement. Et je pense ouais, que le ministère de l'Enseignement supérieur doit conscientiser beaucoup les parents, parce qu'on a l'impression que pour un oui ou pour un non,
des vagabonds, des inconscients empêchent ceux qui veulent aller à l'école, qui veulent apprendre. Nous sommes à l'Occident ici, est-ce que c'est tout le monde qui va à l'université? À partir d'une certaine période de la maternité, primaire, jusqu'à un certain niveau au collège, le gouvernement arrive à subventionner cela. Mais quand tu veux aller au-delà, on est tous à l'Occident. Une éducation n'est jamais gratuite. Une bonne éducation n'est pas moins chère. Mais malgré tout ce que le gouvernement fait en Côte d'Ivoire pour que ces jeunes-là vont à l'école, mais qui leur a dit que aller à l'université est moins cher? Qui leur a dit que pour apprendre, pour avoir les grands diplômes, là, c'est moins cher? Mais rien n'est caché. Mais qui, ils n'ont qu'à aller sur l'Internet, ils n'ont qu'à essayer d'aller sur Google pour voir. Ceux qui vont à l'université ici, le groupe, si tes parents n'ont pas les moyens, mais il faut encore remplir les critères parce qu'on va te subventionner. Mais quand le gouvernement te subventionne pour que tu ailles à l'école, mais c'est un crédit. C'est un crédit, c'est l'un des crédits aux États-Unis ici, d'étudiants. Ça, c'est un crédit où tu ne peux pas déclarer faillite. C'est un crédit à vie. Tu payes, mais tu ne le payes pas, mais tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. Qui leur a dit que l'éducation est moins chère? Et puis lui, Blégoulé, il a eu quel diplôme? Il y a un éminent professeur, je crois, père à son âme, il est décédé, si j'ai bonne mémoire, le professeur Seri Bailly, mais qui a affirmé, confirmé que Blégoulé a triché. Et ceux même qui sont beaucoup plus dans son sang, qui ont collaboré avec lui, Blégoulé était un marché, attendait ce diplôme-là avant d'être inscrit à l'université lorsque, la crise éclate en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il rentre. Il allait s'inscrire avec un diplôme. Puisqu'il était déjà dit ouais, qu'il a eu la licence. Mais cela a été dénoncé. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que c'est un fraudeur, qu'il n'a jamais eu la licence. Les professeurs ont affirmé cela. Mais si la NCI, en l'occurrence, je pense que tout le monde aime le magazine du dimanche, animé par Evelyne Deba et Ali Djalassoua, mais s'il veut faire la promotion de la médiocrité en Côte d'Ivoire, mais qu'il le fasse. C'est plus Goudé qui va venir parler de, comme le maire à qui il avait dit, j'ai suivi le dimanche passé, qui va venir parler de l'économie de la Côte d'Ivoire. Lui-même, il a exercé où? Il a eu quelle fonction? Il a travaillé où, lui, Blégoulé? Tout il a, où il a exercé? Et voilà. C'est pourquoi je me demande quels sont les critères aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour être politicien. Et moi, je disais plus loin que, comme aussi à l'Assemblée nationale, nous n'avons que des députés de l'opposition, comme ceux du RHDP, sont tous des vadrouillards, hein? Des misères intellectuelles, des misères morales, des prolétaires intellectuels, si je peux le dire, qui ne foutent rien. Hein? Mais l'Assemblée nationale est le socle même du bâtissement, hein, d'une nation où les lois doivent être prises, votées, hein, accompagner l'avenir sur des siècles. Cette nation qui est en construction, mais ce député-là, qu'est-ce qu'il fout? Une opposition minable, vaurien, misérable, pour un oui ou pour un non, sont prêts à vendre leur vote. Regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai jamais vu ça au monde avec, mais ou bien si tu as un exemple, tu peux me le dire. Ou des députés de l'opposition qui précédemment ont boycotté l'élection présidentielle et pour voter. De toute façon, même il n'y avait même pas de vote. C'était simplement une formalité. Mais comme ils sont indignes, ils se sont tous ralliés pour voter Adama Bictogo. Dans tous les cas, le RDP n'avait pas besoin de leur vote, puisque nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc je dis, mais ces députés-là, mais leur demander aujourd'hui de voter des lois, dire que avant d'être politicien, ou alors avant d'être un président, secrétaire général d'un parti politique,
puisque tout le monde est devenu président, le mot président n'a même plus de sens à Côte d'Ivoire. Présidentant, présidentant, présidentant. On ne sait même plus qui est président. Donc, avant d'être secrétaire général d'un parti politique, mais il faudrait voir que l'Assemblée nationale ivoirienne vote des lois. Soit, si tu n'es pas fonctionnaire, il faudrait voir que tu prouves par A plus B, d'une manière factuelle, en continu sur une période de 10 ans, soit tu es chef d'entreprise, parce que là, on sait que tu as la compétence de la gestion de quelque chose, ou alors tu as été fonctionnaire dans l'administration ivoirienne sur une période donnée, avant d'être chef de parti politique. Mais des gens comme les Bleu Goudé, mais aujourd'hui, même, ce qui fait mal, c'est que c'est un imbécile-là, surtout Bleu Goudé, parce que lui, aujourd'hui, Bleu Goudé, est incontournable dans la vie politique ivoirienne. Et il y a la NCI qui fait cette promotion-là. Et la NCI est la seule télévision en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et moi, je dis, leur chef-là, on dirait qu'il s'appelle, je ne sais pas si c'est Patrice Gueye. Hé, hey, Patrice Gueye, toi et ton staff-là, les Ivoiriens vous aiment. Les Ivoiriens aiment la NCI. Mais là, vous êtes en train de partir. Vous êtes la seule chaîne aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui fait la publicité de Bleu Boudé depuis la CEI, depuis la R. Parce que Ali de la Souba est parti de l'interviewer. Mais vous, donc, vous-même là, vous faites la promotion de la médiocrité en Côte d'Ivoire. Vous, les fauriens de la NCI, Ali de la Souba qui fait des débats organisés, aimés par tous les Ivoiriens. Mais toi et ta chaîne, la NCI, là, ce que vous êtes en train de faire maintenant en Côte d'Ivoire, là, vous allez faire, on va demander à tous les Ivoiriens à la diaspora, comme en Côte d'Ivoire, de vous boycotter. Parce que vous êtes en train de faire aujourd'hui la promotion d'un médiocre, d'un criminel, d'un sanguinaire, d'un vampire, d'un prolétaire intellectuel qui a tué et qui a continué à tuer en Côte d'Ivoire. Et il a encouragé à tuer lorsqu'il était au Ghana. Et c'est vous, la NCI 360 aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui faites la promotion de Bleu Boudé en Côte d'Ivoire. Un tueur. Écoutez très bien. Quand ce même vadrouillard, ce vaurien de Bleu Boudé dit, sur cette même NCI, que lui demande au président Alassane Ouattara de trouver une solution politique pour sa condamnation et la condamnation de Gbagbo Laurent. Pour ne pas que le président Alassane Ouattara laisse la Côte d'Ivoire dans une situation de tension. Et Bleu Goudé, moi je dis et je le répète, le jour que toi, et puis moi je t'encourage, pourquoi bon, tu es libre, tu es innocent. Comme il y a les vauriens qui disent, ouais, que tu n'as rien fait, que tu as changé Bleu Goudé. Moi, je suis aux États-Unis et je pense que tu as des représentants, peut-être, je n'en ai pas encore entendu parler, aux États-Unis ici. Moi, je souhaite, comme tu n'as rien fait, et je prends tout le monde à témoin, comme il y a des gens qui sont au village dans les Occidents, qui nous traitent de menteurs, et moi, je prends cet engagement devant tout le monde ici, ici et maintenant. Parce que je pense qu'on est sur la toile, les gens pensent que tout le monde est venu pour faire les buzz. À envoyer la vidéo et partager jusqu'aux partisans de Bleu Goudé. Et je dis ceci. Bleu Goudé, je suis que tu rentres aux États-Unis pour venir, ne serait-ce que pour faire une visite officielle ou bien dans le cadre de tes activités politiques, puisque tu es un homme politique, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et je prends tout le monde à témoin. Et je lance ce défi-là aujourd'hui. Bleu Goudé, si toi tu rentres aux États-Unis et que tu ressors encore pour aller en Côte d'Ivoire, et je n'ai jamais juré, c'est que moi, je ne suis pas un indigne fils ici. Je le dis et je le répète. Allez envoyer la vidéo aux partisans de Bleu Goudé. Bleu Goudé, je dis, comme on dit que tu n'as rien fait, tu es chef de parti politique en Côte d'Ivoire. Moi, je suis aux États-Unis ici. Si tu viens aux États-Unis, que moi, je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit ça. Là. Ou bien que je suis rentré définitivement en Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit ça. Mais à l'état actuel, envoyer la vidéo à Bleu Goudé, viens aux États-Unis comme tu n'as rien fait. Mais si tu retournes encore en Côte d'Ivoire, si tu n'as pas été condamné ici à perpétuité Bleu Goudé, c'est que moi je ne suis pas un digne fils. Je n'ai pas le sens du coup de la veine.
Envoyez ça aussi à ces fauriens qui sont le président là-bas, qui disent que nous sommes des menteurs. Bande de nulards. Et voilà, c'est la NCI qui perdu ça à tout le monde. C'est la NCI avec Ali Diarra Souba qui sont en train de faire aujourd'hui la promotion de Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Blé Goudé a travaillé où? Blé Goudé a servi où? Quel est le modèle qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire peut accepter d'être un modèle comme Blé Goudé? Je le dis et je l'ai toujours dit. Si un pétard pète aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et puis je vais vous dire, comme leurs parents disent, et il y a un salopard qui me disait la fois dernière qu'il y a une loi qui a été votée en Côte d'Ivoire, que quand tu fais diffamation, on te met en prison, ok. Et moi je dis ceci, c'est même Blé Goudé, dans sa fuite au Ghana, son garde de corps qui s'est sacrifié, le fait traverser dans pirogue à Palo au Ghana, Blé Goudé, ce criminel, comme s'il adorait un fétiche avec le sang humain, paix à son âme, appelle Ouattara. Blé Goudé, je n'ai pas te laisser. Ningito et Nessa. Appelle Ouattara. Paix à son âme, le sang brévé. Il appelle Ouattara pour que Ouattara assassine ce gars de corps-là parce qu'il a accusé ce dernier d'avoir détourné son argent. Ce même gars-là a appelé encore Johnny Pacheco pour lui faire le témoignage de ce que Blé Goudé avait dit à Ouattara. Et lorsque, effectivement, ce monsieur, ce garde corps, ex-garde corps de Blé Goudé, se rend à la garde républicaine, Ouattara étant à ce moment le chef de la garde républicaine, paix à son âme, reçoit ce ex-garde corps de Blé Goudé dans son bureau à la garde républicaine à Tranchigui. Et il lui dit ceci, est-ce que tu sais que Blé Goudé m'a appelé pour que je t'assassine parce que tu aurais volé son argent? Je parle, hein. Johnny Pacheco n'est pas encore mort. Ce garde du corps-là, de la même manière que Abedi a appelé Johnny Pacheco pour faire un enregistrement, Johnny Pacheco doit avoir encore l'enregistrement de ce garde du corps-là. Donc c'est pour vous dire, lui Blé Goudé là, si jamais quelqu'un l'a buté en Côte d'Ivoire, ne croyez pas que ça sera un militant, les militants du RADP. Blé Goudé a fait plus de mal dans son propre camp, autant il a fait aux militants du RADP. C'est même Blé Goudé, encore dans le témoignage vidéo de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco lui-même dit, à son temps, ils avaient un concert au Palais de la Culture à Trancheville. Blé Goudé s'est permis de chiffler un capitaine de la gendarmerie devant ces éléments. Tous ceux-là sont là. Et je vous avais dit que la première promotion en 2003, ceux qui sont rentrés dans l'armée portaient le nom de Blé Goudé, plus de 4500 personnes. Selon le témoignage du général Philippe Mangou à la RDI, à la CPI. Et ce sont ces militants-là, des militaires, ce ne sont pas des militaires, mais des militants de COGEPA recrutés par Charles Blé Goudé, sous l'influence de Charles Blé Goudé, à ce moment-là, qui ont fait plus de tort à la population RHDP, des militants RHDP. Donc, Blé Goudé a intérêt aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, de mettre balle à terre. Même s'il a mis balle à terre, là, on ne va pas le laisser. C'est ce que nous on dit. Et il doit le comprendre. Lui et tous ses entourages, y compris tous ceux qui vont essayer de polisser l'image de Blé Goudé. Mais le jour que ça commence là, soyez sûrs. De la manière que nous allons traiter Blé Goudé, c'est de cette même manière que nous allons vous traiter. Parce qu'on va vous expédier tous à l'enfer. Bande de nulards que vous soyez. Mon frère, je m'arrête là aujourd'hui. Merci beaucoup, cher Anne. Merci pour l'interpellation que vous lancez à Blé Goudé. On espère bien que ce sera chose comprise. Il y a le cyclone qui est avec nous. Non, le cyclone n'est pas. Oui, le cyclone est là. Le cyclone, on vous accorde la parole.
Ok, éclairage, je vous dis bonsoir. Bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à tous les auditeurs. Je dis merci à l'aîné B. Sengadé, Mère Aki et le frère Vas Traoré depuis sa position. Vraiment, cher René, merci beaucoup. Tout ce que vous avez dit, c'est la vérité. Puis c'est clair et net. Merci encore, merci. Éclairage, avant de me lancer, je voulais féliciter le ministre des Transports, M. Amadou Kone. Au niveau des secteurs de transport, les modernisations qu'il est en train de faire progressivement pour les Ivoiriens, pour l'évolution de la Côte d'Ivoire, pour l'image du président de la République qui est dans le présent, qui veut nous donner, on lui dit merci et merci au chef d'État. Son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est notre père à tous. Pour les gardes modernes ils ont fait à Koumassi, précisément pour anéantir, comme on dirait, les petits voyous, généralement qu'on appelle les syndicats, qui ne sont pas organisés, les petits dictateurs de nature, des petits vauriens qui ne peuvent rien apporter à la nation ivoirienne, précisément à nos parents ivoiriens. Chers parents, soutenons le programme de transport au niveau de nos pays, parce que ce système va avaler les petits voyous qu'on appelle les syndicats, va avaler les petits transporteurs qui ne veulent pas se mettre en règle en vis-à-vis de la loi. Tout cela va disparaître. Ils n'ont pas le choix et on n'a pas le choix. C'est si ça, ça va terminer. Je vous dis merci et merci à Cissé Bakongo parce que tout commence dans sa commune. Interdire les syndicalistes dans une commune Abidjan, ça a commencé, ça a commencé. Garde modèle, ça a commencé, ça a en train de commencer. Cissé Bakongo, on vous dit merci. Merci pour tout ce qui est en train de venir pour les Ivoiriens. Et éclairer. Concernant les F6, j'ai dit bien boudé parce que tous ces désordres qu'au camp des F6, au camp universitaire, on a toujours rappelé. Chers parents, dans l'état de Babo, on vous a parlé des cités universitaires d'Abobo, précisément à l'habitat, en face des camps commando, en face des cités policières. Se trouve là-bas, et non loin du 15e arrondissement de Abobo Habitat. Chaparan. Dans l'état de Babo, on a vu des vieillards qui habitaient dans les cités avec leurs familles. Il y a d'autres même qui avaient deux femmes. Il y avait des pères de famille de trois femmes dans l'université d'Abobo d'Habitat. Chaparan. Cela faisait quoi? C'était des vendeurs de drogue. C'était des vrais bourriers, des vagabonds. Et je vous dis, ils exerçaient dans les transports, dans les secteurs des transports là. Ils étaient syndicats des gars. Chers parents, c'est là où on fait tout, sauf études. C'est là ils ont l'image de tout, sauf image des étudiants. Mais tout cela, c'est Babo qui les avait mis là, parce que c'était une branche armée de Babo. C'est parce que c'était les éléments de Blé Goudé. Parce que c'était des voyous organisés contre les Ivoiriens, contre les contribuables ivoiriens, contre le pouvoir qui pouvait servir les Ivoiriens. Babo a toujours prospéré avec ces voyous-là. Donc Babo n'a pas autre choix, il n'a pas autre idée, il n'a pas autre programme à donner à les Ivoiriens sans passer par ces voyous. Mais ce qu'il oublie, c'est que les Blé Goudé ont oublié, la Côte d'Ivoire a changé, les Ivoiriens ont changé, la mentalité a changé. La dictature, ça ne peut pas prospérer. Et les massacres qu'ils ont faits à l'endroit des Ivoiriens, nos frères qu'ils ont tués, nos parents qu'ils ont brûlés, nos biens qui ont été détruits par ces voyous, parce qu'on voyait des Sorbonnes partout, les Agora partout. Et, chers parents, à côté de l'université d'Abobo, et j'ai dit, pardon, c'était l'université d'Abobo, non loin des camps commando. À combien de quelques kilomètres du 15e arrondissement d'Abobo, à quelques kilomètres, à quelques mètres des cités policières d'Abobo. Chers parents, c'est là qu'on fait trop de morts. Ils ont fait un agora là-bas. C'est là qu'ils étaient armés. Quand ils parlent, personne ne pouvait parler. Même le corps habillé, c'est eux qui maîtrisaient le corps habillé. C'est eux qui donnaient les ordres à le corps habillé. Comme de la manière, les généraux des rues, qu'on appelait Blé Goudé, donner les ordres. On a vu, et tout le monde est témoin, c'est Blé Goudé qui donnait les consignes
à Mathias, pardon, à Philippe Mangou. C'est Blé Goudé qui décidait. Et l'armée n'avait pas de mots. Un voyou comme Blé Goudé, qui n'a pas étudié, un voyou comme Blé Goudé, qui n'a pas de diplôme, un voyou comme Blé Goudé, qui n'a rien, qui n'a jamais travaillé dans ses 10, avec ses 10 doigts, qui donne les ordres à nos généraux de l'armée, d'un pays. Chers parents, qu'est-ce qu'on peut espérer de cela? Il peut changer. Il peut changer pour donner quoi? Ce qu'il connaît là, il nous a déjà tout démontré. Donc moi, je suis d'accord avec l'aîné qui vient de parler, M. Bessegadé, qui dit à NCI de faire très attention. Parce que, M. Ali Terasouba, nous avons beaucoup de respect pour vous. Moi, nous, vous aime beaucoup. Je sais que vous avez vos idées, vous avez vos systèmes, mais Blé Goudé n'a rien à dire devant les Ivoiriens. Et puis quand moi j'attaque, on appelle Blé Goudé ministre, cher frère, cher parent, wallah, ça peut me tuer. Ça peut me tuer. Et Blé Goudé n'est pas un exemple. Blé Goudé a fait article 125. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on redescende cette terre, lui poser les vraies questions. Quand que Blé Goudé, vous étiez avec Babo, comme général de Ride, vous avez lancé des appels contre les Français. Vous avez lancé des... Quand Blé Goudé a lancé l'appel contre les Français, là, sur le pont de Gaulle, il y a combien de Ivoiriens qui sont descendus dans l'eau? Ils ont tiré contre... Eh, chers parents, il y a eu beaucoup de morts. Si aujourd'hui, Blé Goudé veut s'asseoir pour dire que lui, il était pièce maîtresse de cette affaire, mais sans toucher tous les massacres, tous les appels qu'il a fait, alors, il faut qu'on appelle les choses par les noms. Blé Goudé ne peut pas être exemple pour nous. Moi, personnellement, quand je vois Blé Goudé, ce qui me vient à tête, si on peut... Eh Allah, si je parle pour nous, Facebook, je ne comprends pas. Ce qu'ils ont fait à nos parents, article 125, c'est la même chose, moi, je passe pour Blé Goudé. Et c'est la même chose, que je passe à l'effet. Chers parents, vous n'allez pas dire que j'ai parlé fort, hein. Moi, j'ai parlé, mais lui, il a fait. Lui, il a brûlé les gens. À tout Blé Goudé. Blé Goudé. Non, chers parents, éclairé, je vais m'arrêter là d'abord, sur le cas de Blé Goudé. Il faut que les autorités fassent très attention avec ces voyous. En le voyant s'expliquer à la télé, narguer les gens. Pendant ce temps, il est en train de manipuler les enfants des gens. On ne peut pas accepter. C'est ceux-là qui ont fui. Blé Goudé a fui, il était au Ghana, où il a fait direct aux gens de résister, de sortir. Pendant ce temps, il avait déjà fui le pays. Mais il a envoyé les enfants déjà à l'abattoir. Ce sont ces mêmes moutons maudits qui veulent le suivre. Donc, comme vous, vos larmes et vos cheveux sont au Bénin, nous on a dit, on a perdu beaucoup de parents. Puisque vous voulez mettre la zizanie dans le pays, sortez et vous, on ne va pas vous rater. Une chose je suis, les Ivoiriens conscients, les Ivoiriens nouveaux, ensemble des Ivoiriens, qui aspirent à la paix, qui veulent le développement, nous avons décidé zéro mort pour les militants, pour les partisans. Mais nous, on va vous faire face. Allô? Oui, vous restez une minute. Monsieur Cyclone va conclure et sa parole, on va vous donner la parole. Ok, pas de soucis. Ok. Le Cyclone? Ok, merci beaucoup, frère. Donc, Blé Goudé, ce que tu as fait aux gens, c'est ce que moi je pense à te faire. Ça, c'est clair. Mais les voyous et les turiens, les perdus, ceux qui sont perdus dans la vie, qui sont partis, qui veulent te suivre, qui veulent suivre le train de Babo, non, on ne va pas vous rater. Vous allez sauter, vous allez courir. Mais actuellement, là, la Côte d'Ivoire, Dieu merci, vous tous, vous êtes rentrés au pays. S'il y avait la guerre au pays, s'il y avait un problème au pays, vous n'avez pas avoir le courage de vous retourner au pays. C'est parce que le pays est stabilisé. Okay. Le cyclone? Ouais, oui. Ok, donc vous pouvez continuer. Le frein n'est pas dans les conditions optimales, donc vous pouvez continuer. Ok. Donc, comme Blé Goudé et tous ses sympathisants et tous ceux qui ont fait mal au milieu des étudiants, vous avez enterré les étudiants, vous avez assassiné les enfants déjà qui étaient censés aller étudier. L'espoir de notre pays, vous avez tué notre pays et nos enfants. Aujourd'hui, si vous avez eu courage de vous retourner, de quitter dans les pays occident, les pays pour aller au pays, c'est qu'en Côte d'Ivoire, c'est la paix qui est là-bas. C'est la
c'est vivre ensemble qui est là-bas. C'est parce que le coin est tranquille, vous êtes rentré. Mais dès que vous arrivez, on voit tout ce qu'on ne voulait pas entendre, tout ce qu'on ne veut pas avoir. C'est ce que vous êtes en train de prôner devant les Ivoiriens. Mais nous, on lui dit, nous, on vous dit, Dieu merci. Vous êtes déjà dans le pays là. Alors, soit les bafis, toi, Blégoudé, au nom de chaque fois, tu ne vas pas t'en sortir. Bravo, si tu veux là, pour mourir. Mais tout ce que tu vas faire là, tes manipulations par plus près quelqu'un. C'est fini. J'ai dit, le président de la République sur le Sénat, M. Alassane Ouattara, il vous est passé. Ça ne passe plus. Pour on veut, pour mourir, il faut aller à l'enfer. Toi, Bobo, une chose est sûre, la Côte d'Ivoire, le vote municipal va bien se passer. 2025 va bien se passer. Parce que vous, on vous a déjà ciblé. Et vos familles, parce que vous avez assassiné nos parents, et vous êtes revenus, vous voulez reprendre la même chose. Cette fois-ci-là, Wallah Bilal, on ne va pas rater vos parents. Ça là, c'est pas demi-mesure. Vous commencez, on termine en même temps. Ça prend le temps. Quand t'es regretté, donc éclairer, c'est ce que vous voulez dire. Je suis à l'écoute, je dis merci à tous les auditeurs, merci à tous les intervenants, et je me suis mis, je suis à l'écoute, merci à tous. Vous revenez, j'ai deux questions à vous poser. Le cyclone, okay. Voilà. Le pays qu'on appelle Somalie, là, tu connais, non? Oui. Si on voit quelqu'un comme ça, on dit qu'il faut aller faire politique en Somalie, la personne va partir? Jamais. Le pays qu'on appelle Ukraine, là, tu connais, non? Oui. C'est qui aujourd'hui on va prendre, il faut aller en Ukraine, tu vas être politicien, puis va partir? Jamais. Parce qu'il y a quoi là-bas? C'est la guerre. Okay. Si tu as vu que les Babos, les Bédiers, les Blégoudés vont faire de la politique là, c'est parce que la Côte d'Ivoire n'est pas comme l'Ukraine. C'est parce que la Côte d'Ivoire n'est pas comme la Somalie ou l'Afghanistan. Donc en réalité, quand ils viennent vous dire on est là pour faire la paix là, demandez-le, mais c'est de quelle paix vous parlez? Parce que pourquoi on demande la paix là? C'est qu'il faut qu'il y ait la guerre. Or, la Côte d'Ivoire, depuis que la Sainte Ouattara a pris, il n'y a pas de guerre. Exemple de pays en guerre, l'Ukraine. Exemple de pays en guerre, la Somalie. Exemple de pays en guerre, le Soudan. Pourquoi il ne peut pas aller faire politique dans ces pays-là? En réalité, c'est une bande de profiteurs, d'individus sans projet de société, des individus au rabais, dans tous les sens du mot, qui n'ont rien à dire aux Ivoiriens. Et la paix qui est là, il faut qu'on effraie les Ivoiriens pour leur dire qu'il n'y a pas la paix. Mais quand nous-mêmes, on accepte ce message-là, ça veut dire qu'Alassane Ouattara n'a pas travaillé. Chers frères, il faut aller dire à Alassane Ouattara, quand des politiciens viennent s'asseoir pour dire qu'ils sont en train d'œuvrer pour la paix, là, ça veut dire qu'Alassane Ouattara n'a pas mis la paix. Or, c'est faux. C'est une insulte pour nous autres. Ou bien, venez, on n'a qu'à se réconcilier. Hey, on ne se réconcilie pas. Parce qu'il y a des gens qui le veulent, et même parce que ça les arrange. On se réconcilie sur la base de la vérité et de la justice. Le président Ouattara l'a dit hier, on attend qu'il applique cela. Les propos sont là. Je le redirai, parce que quand un homme, tes propos sont là pour vérifier, il faut qu'on les fasse ressortir et on écoute ça ici ensemble avant de continuer. Moi, je veux savoir aussi pourquoi on a voulu m'assassiner, pourquoi on a failli enlever mon épouse en plein Abidjan. Et quand ils n'ont pas pu l'enlever, ces gardes-corps ont été détenus pendant 7 jours, ont été torturés. Et ainsi de suite, je veux savoir pourquoi Boga Doudou a été tué, qui l'a tué, et ainsi de suite. Nous devons faire une commission vérité et réconciliation. Est-ce que vous pouvez réussir cela sans que cela ne vire au règlement de compte? Non, tout dépend de la position et du rôle, de la responsabilité du chef de l'État. Laurent Gbagbo ne se comporte pas en chef d'État. Il faut que le chef de l'État montre qu'il est au-dessus d'un certain nombre de contingences. Il faut qu'il assume la fonction et qu'il dise aux Ivoiriens, voici comment nous devons nous réconcilier. C'est comme cela que nous allons nous réconcilier. Vous faites la vérité, Mme Sirleaf Johnson l'a fait au Libéria, et après, on prendra ce qui est nécessaire comme mesure. Il y a des lois d'amnistie, il y a toutes sortes de choses, il y a des protections particulières, il y a le respect quand même de la loi par rapport aux anciens dirigeants. Et donc, le même Ouattara qui a parlé, s'il y a une dizaine d'années, c'est son corps physique qui a changé, sa manière de penser n'a pas changé. On lui demande, comme il a pris même Sirleaf en exemple, de faire d'abord la vérité. Et c'est très important. Il faudrait que nous, les Ivoiriens,
on arrête que ces gens-là nous insultent. On ne peut pas se réconcilier avec des négationnistes, des meurtriers, des criminels, des goujats, des filous. Sur n'importe quelle base. Cher frère, tu te réconcilies avec un braqueur. Demain, s'il vient t'attaquer encore, tu vas dire quoi? Il va dire non, non, non. Mais tu te réconcilies avec moi, donc laisse-moi te violer. En réalité, tout ça, c'est de l'anarque. C'est de l'escroquerie morale. Et je dis à nos militants et à ceux qui veulent se libérer eux-mêmes de ne pas se laisser distraire. Soyez fermes avec ces gens-là. Ils ne comprennent qu'un seul langage. Le langage de la violence, c'est ce qui peut être leur limite. Et c'est là aussi que nous les attendons. Et c'est ce jour-là qu'ils verront aussi l'évidence. Et donc, chers militants RHDP, si quelqu'un vient vous parler de réconciliation, demandez-lui. Si toi, tu souffres d'impuissance sexuelle, faut aller chez les traduits praticiens. Sinon, là, tu ne vas pas prendre ton affaire d'impuissance sexuelle là pour dire que les Ivoiriens doivent se réconcilier. Tu mens. Si quelqu'un refuse d'aller travailler, lui veut avoir des gays, des mangements, et donc il devient promoteur de la réconciliation, nous, ça, ce n'est pas notre problème. Si quelqu'un en manque d'inspiration politique et qu'il est incapable de présenter un projet de société, il est incapable de convaincre les Ivoiriens pour dire voilà ce que Ouattara n'a pas fait, voilà ce que moi j'ai fait. Avec celui-là, vous allez vous réconcilier, il va vous ramener dans un état encore pire que 90, pire que 2000 et pire que le temps qu'a connu la Côte d'Ivoire dans la guerre. Voilà de quoi ces gens-là sont capables. Et c'est ça leur fond de commerce. Et quand ça les arrange, il faut faire la réconciliation pour blanchir leur casier judiciaire. Monsieur Ouattara vient de vous le dire. Tant qu'il n'y a pas la case vérité, lui-même, sa propre parole le condamne. Il ne peut pas amnistier Laurent Gbagbo. Parce que ce que vous avez dit hier, le président Ouattara, ça est là. Et donc, c'est très important qu'on ait de la cohérence dans ce que nous faisons. Nous ne sommes contre personne. Nous ne supportons aucune religion. Et nous ne supportons aucune ethnie. Nous supportons l'homme, l'humanité, c'est tout. Qu'on laisse chacun vivre en paix. Si tu veux être juge là, pour savoir qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien, qui est Comorien, qui n'est pas Comorien, qui est de Sodome ou de Gomorre là, il faut aller, tu vas aller faire une école de droit et puis après maintenant tu deviens juge. Là, quand des gens vont venir se plaindre là, tu peux décider de la nationalité. Ouattara n'est pas Ivoirien, c'est comme si ceci. En réalité, ce n'est pas une histoire de Ouattara. C'est tous les gens du nord de la Côte d'Ivoire que vous ne voyez pas en Ivoirien. Mais quand c'est comme ça, pourquoi ne pas couper cette partie pour dire, bon, vous n'êtes plus de la Côte d'Ivoire. Mais quand vous n'êtes pas suffisamment garçon, vous n'en avez pas suffisamment. Vous ciblez les gens par opportunité. Hier, c'était Ouattara. Demain, ça sera Abiba Touré. Après, ça sera Soro Guillaume. Cet imbécile, ce chien errant qui pensait que parce que tu as dormi dans le salon du président Alassane Ouattara, c'est un exemple que je prends, tu as dormi dans la cour du roi, tu veux prendre l'héritage de ses enfants. Parce que Ouattara t'a nommé premier ministre dans les circonstances. Tu penses que tu connais Ouattara. Voilà ça, il est en train d'enlever dans tes yeux. Donc vous, toi, moi, nous tous là qui sommes militants RDR, RHDP là. Si quelqu'un vient te parler de réconciliation là, dis-lui, hé, hey, faut aller te réconcilier avec ceux qui veulent t'écouter. Si quelqu'un vient te parler de la paix là, il faut lui dire, guerre qui est en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à te montrer. Guerre qui est en Côte d'Ivoire, qui est pire que ce que Laurent Gbagbo nous a donné en 10 ans de sa gestion là, il n'a qu'à te montrer. Il n'a qu'à prendre l'époque de Ouattara là. La guerre c'est quoi? La guerre c'est quand tu te réveilles le matin, quelqu'un va te tuer ou même tu vas aller tuer quelqu'un. L'état de sauvagerie, c'est ce qu'on appelle en philosophie l'état de nature. Où c'est l'homme est dicté par ses instincts. Nous ne sommes pas dans un état de sauvagerie. Et donc depuis le 11 avril 2011 là, jusqu'à aujourd'hui là, prenez cette date là, Ouattara là, ça fait aujourd'hui presque 12 ans. Toi Laurent Gbagbo, tu as fait 10 ans. Il faut dire à la personne, prends les 10 ans là. Ils n'ont qu'à prendre 10 ans seulement, de 26 octobre 2000 au 11 avril 2011. Et du 11 avril 2011, et puis tu retrouves au 11 avril 2021, ils n'ont qu'à comparer. C'est quelle époque qui était l'époque de la guerre? Quand il va finir, là, il faut lui dire de se réconcilier d'abord avec son maudit de gestion calamiteuse là, avant de venir parler de paix ici. Tous ceux qui vous parlent de paix sont des affabulateurs, des menteurs, des individus violents qui veulent se cacher derrière des mots pour pouvoir atteindre. Je parle des mots M-A-U-X.
Ça veut dire des méfaits, des iniquités, des mauvaises actions pour pouvoir vous atteindre. Tout ce qui se passe actuellement, là, chers parents, c'est parce qu'ils sont faibles. Mais toi, tu ne veux pas être là. Moi, j'étais fauché, j'étais mis à terre, je suis assis sur ta poitrine et puis je suis en train de mettre coup de poing dans la gueule là. Et puis tu vas dire non, 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 si je me... tu vas me demander pardon. Actuellement, là, c'est ce pardon-là qui est là. Ce n'est pas un pardon de gaieté de cœur. C'est parce que vous êtes en bas, on est assis sur vous et puis on est en train de mettre coup de poing dedans. Donc là, tout ce que vous voyez là, les opposants là, c'est parce que ils ne voient pas clair actuellement. Actuellement, on a mis sable dans leur bouche. Mais ils ont une volonté de destruction. Ils sont en train d'essayer plusieurs plans. Quand ils essayent la violence, que ça ne va pas, ils viennent pour jouer les faiseurs de paix. C'est eux qui prennent le drapeau blanc en premier. Mais ça ne prospérera pas avec nous. Et c'est ce piège-là que toi, nous tous, on doit comprendre pour ne même pas donner une minute à ces gens-là. Ça, c'est très important. Et j'allais m'arrêter là et demander à nos différents panélistes. Chacun aura 5 minutes pour faire la conclusion et on va pouvoir se dire définitivement au revoir. Et je tiens à dire merci au B52. Merci aussi à Vas. Merci même à vous-même et merci à Mère Aki d'avoir animé. Et on va donner les 5 minutes de Vas pour qu'il puisse s'exprimer en conclusion. Ok. Merci le frère. Mm-hmm. Et le merci élevé à vous. Ok, je viens de lancer un bucop à mon maire de Logualé, Baduel. Attends d'abord, toi là, tu n'es pas fan de la vieille là au mien. Non, c'est ma vieille mère, Dis-moi de bébé. Faut parler. Là, vraiment, je veux me prendre un bébé là. Yeah. La vieille mère montre que elle aime sa ville là. Non, c'est bien, c'est bien. Donc, c'est un truc bon là. Monsieur le clair, il faut parler. Voilà, il faut parler. Parce que ce qui m'anime un peu, et puis chaque fois que je parle de cette dernière, parce qu'elle est toujours avec la population. Voici les preuves. On a plein de maires, plein de députés qui sont tous couchés à Abidjan. Hein. Le Wallet, même, on a eu beaucoup. Les maires, les députés, ils sont à Abidjan et puis ils sont maires à Le Wallet. À peine ils sont avec la population, à peine. Dépôt les petits. Mais c'est cette dernière-là qui nous a montré que oui, elle aime son village. Si tu as bien le Badjel aujourd'hui, tu vas à Le Wallet là, elle va te dire chez elle et vous allez te chuter. C'est ça la population. C'est ça le président a demandé. Parce que quand c'est comme ça, tu es au quotidien. Quand c'est comme ça, tu connais le problème de la population. Quand c'est comme ça, tu peux résoudre le problème. Donc, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi. Voilà pourquoi chaque année, je perds cette dernière. Pour lui dire que vraiment, on l'aime beaucoup. Et puis elle-même, elle est candidate, elle a des pieds à Le Wallet. Donc, vraiment. Bah bien, tu m'écoutes. C'est ton but quoi. Vraiment, ça nous plaît beaucoup. On te soutient. Donc, c'est ce que je voulais dire ce soir, monsieur le collègue. Et encore, je te remercie beaucoup. Je passe l'antenne. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Merci pour les politiciens qui font du bon travail pour les populations. Force et courage et encouragement à vous. Mieux que ceux qui sont couchés à Bidjan, en train d'aller manger riz gras. Et puis pour eux, c'est la belle vie qui est là. Et puis boire soda dessus. Ça, c'est des attitudes bêtes. Quand tu es un vrai homme là, tu vas et puis les populations là, tu te mets pour les aider. Tu causes avec les populations. Et puis tu rends intelligent ta population. C'est ça un vrai homme. Si la vie là, c'est avoir une voiture et puis porter une petite veste et puis rouler en voiture et puis manger riz gras. Si c'est ça qui est la belle vie pour vous, c'est que vous n'avez rien compris. Et donc, on va passer à Mère Aki. Vous avez 5 minutes pour votre conclusion, chère mère. Merci beaucoup, éclaireur. Merci à tous les copains. Et puis, merci encore pardonnez-moi cette fois-là. Merci encore au B52 pour son intervention, toujours vraiment poignante. Merci, cher frère. Il a demandé si Blé Goudé était diplômé de... avec un diplôme pour pouvoir s'intégrer dans la politique et tout ce qui pourrait être son ambition. Moi, je dis à cela, je réponds à cela que Blé Goudé est forcément diplômé. Il est diplômé de l'article 125. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est son diplôme à Blé Goudé. Maintenant, éclaireur, sur, parlant toujours de la NCI 361, il s'est passé quand même beaucoup de choses à cette émission là, ce dimanche-là. On a entendu les chroniqueurs, par moments, conseiller à Blé Goudé de saisir des groupes parlementaires pour se faire amnistier.
Ça, déjà, c'est quelque chose qui est pour moi choquant. Ça, c'est un élément. Ce qu'il lui donne en faisant ça, ça veut dire que ça lui donne, comment dire ça, le droit de candidater à une élection quelconque. En l'occurrence, son ambition de gouverner les Ivoiriens un jour. Ça, même de l'entendre, d'entendre Dégoudé dire ça, c'est un gros choc. Que certains ne soient pas choqués par ses propos ou alors ses pensées, le fait qu'ils ne soient pas choqués me choque moi-même. Je dis, quel est ce modèle-là que la NCI, en fait, veut promouvoir? Parce que NCI, quand même, reste une chose, notre chaîne télé, on va dire, assez respectée. Donc, franchement, qu'ils fassent attention, comme le frère Cyclone venait de le dire, tout comme le B52, qu'ils fassent vraiment attention à comment qu'ils invitent sur leur plateau. Certes, ils peuvent... Franchement, Blé Boudé est la personne qu'on ne devrait pas inviter. Si encore Blé Boudé est invité sur NCI, à mon avis, le travail qui devrait être fait pour Blé Boudé, ce serait de le confondre à son passé de criminel qu'il est. Tous ces crimes qu'il a commis là, on prend ça et puis sur le plateau, on le confond avec. On lui rappelle tout ça et puis on le laisse débattre avec. Ça, c'est le rôle que, à la limite, la NCI pourrait jouer avec Blé Boudé sur son plateau et pas autre chose, à venir nous parler, mettre Blé Boudé au centre de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Franchement, il y a beaucoup d'éléments qui faisaient objet de choc dans cette émission-là. Donc, nous n'avons ni vu, ni entendu par moment quelqu'un même mettre Blé Boudé face à ses crimes comme l'article 125 que je venais de nommer plus tôt. Et ça, c'est toujours un choc. Quand Blé Boudé le pense et dit avec aisance que lui compte gouverner la Côte d'Ivoire un jour, éclaireur, sauf si je me trompe, Blé Boudé, il compte sur quelque chose. Et ce sur quoi moi je vois Blé Boudé compter, c'est la jeunesse. Vous savez que Blé Boudé est, quoi qu'on dise, il est un grand rassembleur. Il a une telle farouche facilité de rassembler qu'on ne peut pas lui contester. Donc, Blé Boudé compte forcément sur la jeunesse pour faire son programme ou alors pour avoir son ambition de gouverner la Côte d'Ivoire un jour. Vous savez combien aussi la jeunesse raffole vraiment de Blé Boudé. Même, ils en raffolent tellement qu'ils ne voient même pas ses crimes, les crimes qu'il a commis. Donc, il faut faire attention. Tout ça, c'est une interpellation à NCI, à la NCI que nous faisons, de faire attention avec comment avec les invitations qu'ils font à Blé Boudé sur cette chaîne-là. Blé Boudé ne mérite pas être mis à la lumière comme la NCI 360 le fait. Bien au contraire, Blé Boudé, s'il vient sur votre plateau, c'est de le confondre avec son passé. Et à ce moment-là, où nous aurez fait le travail, plutôt que de promouvoir un criminel sur nos chaînes télé. Blé Boudé ne mérite pas que vous le mettiez là où vous le faites. Donc, franchement, revoyez encore cette situation-là, de sorte que nous n'ayons pas à revenir là-dessus. Ce n'est pas des ordres que nous vous donnons, ce n'est pas une exigence. Ce n'est pas une exigence, mais quand même, c'est un appel... Nous vous exhortons quand même à nous donner un peu de respect. Et comme vous le faites là, c'est forcément nous manquer de trop de respect. Et ça, il serait plutôt juste que nous le disions. Éclaireur, c'est un petit coup de gueule par rapport à Blé Boudé encore. Et nous n'en finirons presque jamais. Et c'est, on va dire aussi, c'est chroniqueur qui se rabaisse en appelant Blé Boudé, le ministre Charles Blé Boudé. Vraiment, je ne sais pas comment Blé... D'abord, Blé Boudé a été ministre par qui et comment. Nous savons tous que Blé Boudé a été nommé ministre, a été attitré ministre dans l'illégalité. Quand vous savez tout ça et vous lui accordez ce titre, franchement,
S'il y a plus choquant, moi, je n'en connais pas, mais vraiment, ça vous rabaisse. Et arrêtez avec ça. Des personnes comme Blé Goudé, des criminels comme Blé Goudé, des assassins comme Blé Goudé, okay. Nous n'en voulons pas, okay. En promotion. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sermain. Et je peux vous répondre directement pour vous dire, à l'instant où vous êtes ici, je vous demande de me donner les différents chiffres de votre carte bancaire. J'ai parlé, mais à vous d'accepter ou de ne pas accepter. Et donc, à la question de savoir si les parlementaires étaient invités à statuer sur le cas Laurent Gbagbo et autres pour pouvoir lever leur les crimes qui pèsent sur eux afin d'aboutir à l'amnistie, si les députés RHDP sont devenus suffisamment bêtes, ils vont voter. Je crois que ces choses impossibles, ça ne passe même pas. Ils peuvent parler, mais la faisabilité en est une autre chose, chère mère, soyez rassurés. On ne peut pas être là quand même pour se tirer des balles dans la tête. C'est ce que j'allais dire. Et le cyclone AB, on dit à tout seigneur, tout honneur, le B52 le plus âgé parmi nous, il m'essayait de lui donner la conclusion au nom du droit d'aînesse. Et donc, le cyclone, vous avez vos 5 minutes et on va passer à notre aîné B52 pour faire la conclusion en 5 minutes. Ok, merci beaucoup, Éclair, d'avoir me sauvé. Sinon, si tu me donnais la conclusion, il sait qu'Amanda, il ne pourrait pas payer seul. On allait payer ça ensemble. Donc, on a été pis là. Ah, tu penses que, là. Tu penses que je suis bête? Tu penses que je suis bête? Donc, vraiment, je vous dis merci. J'interpelle à tous les Ivoiriens, tous les jeunes filles, et tous les habitants de Côte d'Ivoire, tous nos parents. La Côte d'Ivoire, le problème de la Côte d'Ivoire, tout le monde connaît. C'est qu'on vous demande. La Côte d'Ivoire est dirigée par un grand président qui pense à nous tous, qui protège toujours notre vie et qui est en train de créer les emplois avec les membres du gouvernement pour nos enfants et pour nos frères et pour nos petits-enfants. En train d'arranger notre beau pays. À un moment donné, où nous tous nous avons désespéré de cette Côte d'Ivoire-là. Mais en étant le président de la République, c'est le contraire. La Côte d'Ivoire est en train de rayonner. Ça brille et tout le monde a envie d'être Ivoirien. Chers parents, nous, ce qu'on peut demander, le président aspire la paix. Il demande la paix. Il donne tout pour la paix. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maudissez toujours ceux qui ont tué nos enfants, nos frères, nos amis, qui ont détruit nos biens. Chaque fois que vous allez finir de prier, maudissez-les. Maudissez-les. Ne laissez même pas. Parce qu'il y a beaucoup de orphelins qui sont là. Il y a beaucoup de veuves qui sont là. Chers parents, ne nous oublions pas. La Côte d'Ivoire, c'est nous qu'on doit protéger. Nous, la population. Nous, les militaires. Nous, les Ivoiriens. On n'a qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. On ne peut pas laisser les voyous pour venir parler ce qu'ils veulent dans notre bon pays. Oh, pourtant, on a vu les passages. On a vu ce qu'ils vaut. On a vu c'est quoi ils ont fait. On a vu à un moment donné, quand ils ont détruit nos pays, ils ont tous fui. Ils sont allés au Ghana. Et d'autres sont venus se retrouver en Europe. C'est ceux-là qui parlent mal de nos pays. N'oublions pas, soutenons nos pays, protégeons l'image de nos pays, protégeons nos présidents, protégeons l'image des présidents de la République. Mais c'est à nous de faire ce combat-là. Et on ne va pas laisser ces voyous. On ne va pas les. On ne va pas vous laisser. Hey, vous sortez en haut, on est avec vous. Vous ne sortez pas au cette fois-ci-là. Si cela est devenu neuf, nous, on va vous rappeler. Depuis ça fait une semaine, vous êtes où? Vous faites quoi? Bande de bâtards que vous êtes. Éclairé pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je dis merci à tout le monde. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Vive le président de la République. Vive tous les Ivoiriens. Vive la Côte d'Ivoire. Inch'Allah, demain sera notre jour. Je vous dis merci ici à l'écoute. Vive le président Ouattara qui demeure indéblonnable et indéblonnable parce qu'il a bouclé le pays. Et ceux qui vont se lever, on va couper vos queues et puis on va mettre ça dans vos bouches. C'est nous, on vous a dit ça. Vous êtes allé prendre possession de ma page, non? Pensant que je ne vais plus revenir. Mais je vais revenir plus fort. Vos menaces là, je m'en tape. Je parle de gore là. Vous dites que je suis venu pour mettre attiqué dans sable dans votre attiqué. Je n'ai rien fait encore. Ce que je vais faire là, ça va devenir plus grave. Vos menaces là, c'est pour vous-même. Ça ne regarde que vous-même. Ce que j'ai fait là, ça vous a fait mal, non? Vous sortez pour insulter, pour faire des messages là. Mais je vais faire pire que ça encore. Je vais continuer à démanteler votre Laurent Gbagbo et toutes ses manigances. Et comme ça, vous allez voir. Et donc, on va passer à l'aîné, le B52, en 5 minutes pour la conclusion finale.
Allô, cher René Bessé. Oui. Donc, vous avez la conclusion finale en 5 minutes. Oh, ok. Ok. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. J'ai constaté tout simplement qu'on a été mis au restreint. Oui, oui. Que je ne reçois plus la notification. Non, c'est les gars là qui ont fait ça. Ils disent que je les attaque trop. Oh, ok, d'accord. Dieu merci. Donc, c'est bon, écoutez. Oui, oui. J'avais dit ça la fois parce que je suis tellement satisfait, je suis tellement content. Puisque de 104, quand nous étions dans cette région, il y a plus de 204 personnes. Et je vous ai toujours dit, là où on les attaque, ils sont connectés et puis ils écoutent. Effectivement. Et puis ils sont là. Effectivement. Et ils se sont partagés maintenant en deux groupes. Les supporters de Charles de Goudé vont d'un côté, là où on parle bien de Charles de Goudé, et là où on bombarde même Gbagbo Laurent et Charles de Goudé, et tous viennent là, et puis après, ils se partagent les informations. Mais vous, là, on vous dit. Et ça a été toujours dit ici. Vous, là, on vous dit seulement de faire payer. Parce que ceux que vous avez assassinés, ils sont assis. Parce que vous dites que vous voulez mettre le retour. Et ils parlent de finale. Vous voyez? Donc, actuellement, là, votre salut, c'est de vous effacer complètement. Mais si vous voulez suivre les blés boudés, si vous voulez suivre les sentinelles des miliciens de Gbagbo Laurent, en tout cas, moi, je vous encourage. Et puis, je fais toute bénédiction pour ne pas que Dieu fasse que vous changez. Parce que si vous changez, ça sera comme ça sera une paix dormante. Or, les gens veulent une paix définitive. La paix dormante, d'un moment à un autre, là, ça peut se réveiller. Donc, nous ne voulons plus ça. Comme vous avez donné le coup d'envoi, on vous regarde. Et on vous suit. Et je vous l'ai dit à la mère Aki, non, Blé Goudé, il ne peut plus avoir cette majorité de la jeunesse comme c'était dans le temps dans les années 2010. Je comprends bien votre inquiétude, mais à l'heure actuelle où je vous parle, la majorité des jeunes aujourd'hui conscients sont aujourd'hui à la recherche de boulot, sont aujourd'hui à la recherche de matériel adéquat pour pouvoir être parmi les meilleurs à venir. C'est-à-dire que nous sommes à l'ère digitale aujourd'hui. L'heure de la nouvelle technologie. Bon, la majorité de ces jeunes-là aujourd'hui sont dans les universités publiques construites par le président Alassane Ouattara pour que nous ayons des élites. Ce qui avait été la vision du président, paix à son âme, Félix Houphouët-Boigny, qui avait créé les grandes universités en Côte d'Ivoire. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui sont encore un peu la fierté de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont été formés dans ces grandes universités, ou même les étudiants diables. On fait des passages avant d'être aujourd'hui ce qu'ils sont. Et la majorité des jeunes aujourd'hui sont ces jeunes-là aujourd'hui qui sont dans les grandes universités. Mais si vous avez vu l'université de San Pedro, par exemple, et je crois que toutes les universités à venir, même celles de moi, mais les premières professions qui viennent de sortir, mais ce sont des génies qui sont prêts à servir. On leur demande tout simplement d'aller à l'école. Cette histoire de FECI, ça prendra fin. Tôt ou tard, la FECI disparaîtra de sa propre cendre. Mais, comme il a fait ici, aujourd'hui, croit que eux, aujourd'hui, ils sont inattaquables, mais c'est parce qu'il y avait un énergumène qui a détruit. Eux-mêmes, ils ne sont même pas conscients. S'ils étaient conscients, que Gbagbo les utilise pour les anéantir. Parce que si quelqu'un t'a anéanti, sur le plan instructif, sur le plan éducationnel, mais cette personne a détruit ta vie. Or, c'est ça que Gbagbo a fait d'eux. Gbagbo les a utilisés, les a anéantis. Je crois qu'il y a majorité aujourd'hui de ceux qui sont conscients, par exemple. Si on leur demandait de reprendre ce que Gbagbo avait fait avec eux, en les utilisant pour arriver à sa fin, mais je pense que les 95% aujourd'hui diront non. Et c'est cette jeunesse-là, dans son ensemble, encore une fois, que nous voulons. Donc je dis que tous ceux qui pensent que Charles Blé Goudé peut encore rassembler, mais on te donne les armes. Même moi-même, tu sors de nulle part. Le pouvoir te donne des garde-corps. On te donne le matériel. On te donne de l'argent, la sonorité. Mais qu'est-ce qu'une jeunesse inconsciente à leur temps aimait? Mais c'était les danses. C'était le show, comme ils le disent en Côte d'Ivoire. Mais c'est dans ça que Blé Goudé et Gbagbo les dirigeaient. Jusqu'au point que Gbagbo lui-même est parti dans l'endroit le plus pervers de la Côte d'Ivoire, la rue Princesse. Mais naturellement, la majorité de ces jeunes-là
n'étaient pas encore arrivés à l'âge de la maturité. Et la majorité de ces jeunes-là aujourd'hui, c'est des responsables. L'air dit aujourd'hui de se mettre dans la rue pour suivre Blé-Boudé, mais cette nouvelle génération qui est là aujourd'hui ne sont plus insultés Blé-Boudé. Mais il faut être amnésique, hein? Il faut être bête, il faut être idiot. Quelqu'un qui a la licence, qui a le doctorat, mais qui va suivre un énergumène qui a passé tout son temps dans la rue en train de tuer, à mobiliser, à tuer. Mais quel jeune conscient aujourd'hui va suivre Blé-Boudé? Je ne crois pas. Mais comme vous le dites, on doit faire très attention. Le couper toutes les chaînes d'information, comme aux États-Unis ici, même les réseaux sociaux ont été coupés à Donald Trump lorsqu'il avait commencé cette folie pour arriver à la magistrature suprême aux États-Unis. Mais un pays comme les États-Unis, si lui il a privé un ancien chef d'État sortant, qui voulait créer la fierté. Mais pourquoi c'est en Côte d'Ivoire, où le peuple n'est pas encore mature, et que c'est la chaîne NCI 360 qui doit faire la promotion d'un criminel? Et mais il a condamné Blé-Boudé. Il a 20 ans sur sa tête. Mais pourquoi la NCI veut faire la promotion d'un criminel? Et puis veut justifier pour que lui s'assoit sur des arrangements politiques que sa peine doit être levée. Et dans le même temps, c'est jeune qui se retrouve de la fessie dans des supplémentaires. Mais en sous-entendement, c'est en même temps un ultimatum de ne pas condamner aussi Blé-Boudé. Mais qu'il vienne. Bande de nulards. Je ne vais pas viser le temps, mon frère. Bonsoir, je pense que j'ai passé les 5 minutes. Merci bien. Merci infiniment à tous. Merci à tous les panélistes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Demain est un autre jour. Et je peux vous dire qu'à partir de demain, on va mettre le paquet. C'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, là, on va mettre le feu. Le fait que vous avez bloqué ma page aujourd'hui, là, à partir de demain, là, même s'il faut vous donner 8 heures du temps par jour, à partir de demain, là, je vais faire venir les gens, on va faire votre sauce. Vous, les gars, les probables, je vous donne 3 jours, vous allez me connaître. Je dis merci à tous et on s'apprête tous pour demain. Parce qu'on va venir, on va les décomposer ici. Vendredi, samedi, dimanche. Merci à tous. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Et excellente soirée à chacun et à chacune.